Alors, est-ce que la caméra va freeze cette semaine ou pas? Oui. Oui. Dis, Jamie, pourquoi la caméra elle freeze toutes les semaines au début? Jamie, t'es là? On va chercher. Un jour, on réglera le problème. Bon, tu veux toujours pas parler clavier avec moi? Non, tu dis rien. Tu boudes? Bah, tant pis. Allez, on va essayer de trouver quelqu'un d'autre. Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue, bienvenue dans ce nouvel épisode de Clavardage. Avec ce soir un petit nouveau. Vous le savez, il y en a peut-être qui doivent le reconnaître depuis le temps. Alors je mets de la musique. Si quelqu'un veut bien aller juste me faire un copier-coller de l'adresse du Twitch dans le chat stream sur MKFR, je lui en serai fort reconnaissant. Voilà, donc bienvenue Purée. Salut. Purée. Très, très loquace, très loquace. Bon, allez, on est parti. Alors, et vite, tiens, je me rends compte que j'ai oublié de faire des trucs. J'avais préparé... Attendez. Allez, on démarre bien, hein, on démarre bien, on est super. Allez, hop, je règle juste un truc, parce que ça, sinon ça va m'énerver. Tac, 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 tac. Normalement, ça, c'est bon. Et je reviens sur ma scène. Voilà, c'était encore barré au tableau, c'était pas très propre, c'était la femme de ménage, elle est pas passée. Voilà, donc, ce soir, clavardage, un invité de marque en la personne de Purée. On fait difficilement plus OG et plus qualifié dans le hobby, dans le paysage francophone, en tout cas. Et je suis ravi de t'accueillir. Bon, voilà. Honoré d'être reçu dans ton stream. Alors, Purée, est-ce qu'il est assez fort? Redis-moi deux, trois petits mots, parce que, juste pour vérifier. Salut, ça va, Purée? Est-ce que tu m'entends bien? Salut, ça va, et toi? Nickel. Ah, je te montre un peu qu'on t'entende bien, quand même. Hop. Moi, je t'entends. Super, voilà. Alors, le logo pas à jour. Non, non, c'est parce que Purée, il est aussi dans l'ISO, et j'étais un petit peu pris de court par le temps. Donc le logo de Purée sous le bureau, c'est un emprunt, mais ça va, c'est raccord. Et du coup, ça me force à le réinviter une prochaine fois pour mettre son autre logo. Voilà, donc c'est un plan, c'est fait exprès, on va dire ça. Voilà, donc, Purée, pour ceux qui ne le connaissent pas, on va parler un peu de toi, de ton voyage, ton parcours dans le hobby. Après, on ira raconter des bêtises, enfin surtout moi, et on écoutera tes commentaires sur un peu les actualités de la semaine. Et puis on terminera avec le classique, les billes, et un des meilleurs easter eggs du packaging BSN. Vous êtes pas prêts. Voilà. Alors sinon, tiens, je vais faire le streamer poli. Quand même, merci. Bonjour à tous. Yebig, Lucus, Yoshi, Rez, Blivion, Nico, il y a du monde, Invis, Lambor 49, anciennement Urax Gaming. On a déjà vu. Voilà, bienvenue à tous. Druze, ah, l'illustre. PBT Valf. Et j'ai fait le tour. Et hello, voilà, salut à tous. Et bienvenue, merci d'être au rendez-vous. Donc aujourd'hui c'est lundi, et je vous le dis déjà, la semaine prochaine on part sur le mardi. Voilà, donc ça c'est fait. Donc Purée, ouais. Un mec qui était là dans le hobby peut-être même avant moi. Et qui, je ne sais pas, tu as bien roulé ta boule. Bah oui, parce que toi c'est les débuts sur HFR. Ouais.
Donc, on est dans les... Le trade topic unique, tout ça, t'es arrivé dans les années 2000 ou après 2010 Le trade, je crois qu'il date de 2004, un truc comme ça. Je ne suis pas arrivé au début du trade. Je suis arrivé bien après. Je dirais dans les. Je crois que mon compte date de 2012, quelque chose comme ça. Donc, Ouais. mais en fait, j'avais un autre compte, HFR. Et avant, je lurkais beaucoup. Donc, je Ouais. n'intervenais pas spécialement. Du coup, bah, Et t'es arrivé l'historique est un parce que petit peu tu. faussé. Je sais que t'étais branché hardware, PC, tout ça. T'es Ouais. arrivé par ce forum-là et après c'est le topic unique qui t'a fait rentrer dans C'est le bien hobby. ça, oui. Quand j'avais vu qu'il y avait, je ne savais pas qu'il y avait un topic unique clavier. Et donc, du coup, ben, je suis rentré là comme ça. Alors, on me dit d'augmenter un peu le son de purée. Le problème, c'est que j'étais déjà au max. Comment Donc, je j'augmente un remonte un son qui est peu le déjà. mien. Ouais, Attends. s'il te plaît. Et là, je monte mon gain, là. Ouais, là ça commence à être mieux déjà. Ouais, ok. Ok. Vous me Je peux direz encore si c'est. augmenter si jamais tu veux. Vous me direz si c'est bon, les gars, dans le chat. Parfait, Invis. Ok. Super, merci. Donc, HFR, des ordinateurs montés à la main au clavier. Et donc, début des années 2010. Alors, la question. Est-ce que tu te souviens de ton premier mécanique une fois que tu es rentré dans le hobby? Parce que tu en as peut-être eu quand tu étais plus jeune, dans ta jeunesse, des trucs un Bah peu. en fait, ouais, les mécaniques m'ont toujours bien passionné quand j'étais au club informatique. On avait un Apple IIe, on avait quoi? Auricatmos, Ouf, un ah truc ouais. qui s'appelait Alice, je crois. De Matra? Oui, celui Le rouge? qui fait tic 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 là, tu Qu'on vois, a quand regardé la semaine tu... dernière, ouais. Ouais, donc il y avait ça. Il y avait les MO5, TO7. Ouais. Donc, Donc tu tapais déjà sur du Cherry sans le savoir et autres jeux ouais. OST. Et une Et fois que après, t'es à rentré dans le l'école, hobby. ouais. Ah, une fois que je suis rentré dans le bus, c'est-à-dire parce que je ne l'ai pas vraiment quitté, quoi, en fait, depuis. Ouais, ah oui. Donc dans cette période, on va dire des années, parce que on va dire début des années 90 jusqu'à fin des années 2000, il y a eu quand même eu la grande épopée des membranes dégueulasses. T'as Ouais, réussi à Keytronic. survivre avec des bons claviers sur cette période-là? Ouais, les Keytronic. C'était Les Keytronic. des Ah oui, c'était des membranes membranes, mais qui étaient relatives. agréables. Ouais. Ouais, qui étaient relativement agréables, mais au bout de quoi, un an ou deux, Ouais. ça devenait un petit peu dégueulasse. Du coup, il fallait les jeter, quoi. Donc, ils Ouais. changeaient pour un autre. Tu sais ce que qui avait la foudre là sur la barre espace? C'était La la foudre. décharge statique. Ah bon? Ah non, alors j'ai eu Ouais. du Keytronic aussi, mais je me souvenais pas de cette Ben, foudre. De... si tu regardes ben, sur la space bar elle était grise, elle avait une autre couleur. D'accord. Donc Ouais, voilà. alors c'est vieux Keytronic. Je me souviens aussi que c'était quand je commençais à chasser des claviers sur le bon coin, c'était les trucs que j'évitais parce qu'il y en avait tellement. Mais ouais, Keytronic. C'est vrai qu'ils avaient un petit son sympa pour de la membrane. Oui, tu en vois encore. Ouais. Ouais, ils en ont vendu beaucoup, hein. Ouais, il y en avait partout. Il y en avait partout, mais c'était souvent un Ouais, peu mieux que les autres membranes de base. Bon. un peu plus cher aussi à l'époque. Sûrement, ouais. Et on va dire ton premier méca moderne, OEM ou custom? Mon premier méca moderne était EOM. C'était quoi? Je crois que c'était un. Comment ça s'appelle? Un QPad. Oui. Un QPad en MX Red. Oui, ah, les Cupades des années 2010, Ouais. c'était... Alors au dé début, donc c'est un peu les gamers qui ont réamorcé la mode des mécaniques au grand public, fin des années 2010, début des années 2010. Et au début, on a eu les SteelSeries, il y a les 6G et 7G. On a eu après Razer qui s'est ramené. Razer, c'était marrant parce que tu pouvais tester les MX Blue à travers le packaging. Et après, il y a les Cupades qui ont débarqué. Et je connaissais enfin, non, je côtoyais le mec qui gérait ça en France, qui gérait d'autres marques aussi. J'ai Ouais. oublié son nom. Il avait une fort belle chevelure. Et bref, il faisait aussi beaucoup de tapis de souris personnalisés pour les events, les lunchs. C'était assez marrant, j'en ai encore là qui traîne. Et ouais, c'était un mec vraiment qui gérait ça en France. Et ouais, MX Red à fond, backlight, pas de RGB encore.
Non, X-Micrate Bah, Backlight MK81 ou un Push. truc comme ça. Ouais, je crois que c'est un truc comme ça. Vas-y, Donc c'était c'est. les premiers MX Raid en fait Oh putain, à Cupad l'époque et MK80, ouais. ça existe. MX Raid, ah bah oui, parce qu'on n'en a pas eu avant, je suis en train de penser. Non, il n'y avait pas Parce eu qu'on a eu avant. les. On avait les SteelSeries étaient en black, les Razer étaient en blue. En blue, ouais, Et ça, ils sont ok. vite à passer après sur les Kale jaunes dégueulasses dont les stems cassaient. Ouais. Ou ça, Et. il y a eu quelques années avant. Hein. Il y a eu quelques Ouais. années avant. Et puis Cupad, c'est vrai que Cupad, ça s'est répandu comme une, comment on dit, une traînée de poudre dans les LAN où vous voyez tous les gamers, c'est arrivé d'un coup. Et puis après, il y a Cooler Master qui a commencé à se démocratiser. Mais ouais, c'était la folie Cupad à un moment. Ouais, et comme bon gamer à l'époque, j'avais le casque à sortie, j'avais un MMX300 Ah ouais, brandé qui était Cupad. un. Ouais, brandé Cupad, mais c'était Ouais. un. C'était quoi la marque? Un Beyer Dynamic. Beyer Dynamic, ouais, c'était un espèce de Ouais. DT770 rebrandé à moitié. Ouais, il me faisait envie, mais ouais, 300 balles pour Ouais, un 300 et casque de quelques, gaming, ouais. 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 Et je me souviens très bien de ce matos-là. Et c'était à l'époque où tu farmais un peu WoW? Ou À autre chose? l'époque de ce casque-là, bah non, CS. CS? Oh, t'as joué à CS. CS? Ah oui, j'ai joué à CS, j'étais sur serveur privé, je faisais partie. Je jouais sur les serveurs joystick à l'époque. Ouais, joystick qui, Yeah. pour ceux qui le savent pas, c'est avant Canard PC, il y avait joystick. C'est plus ou moins Ouais. les mêmes personnes. Donc Caféine qui passe nous voir en meet-up et sur le stream de temps en temps. Ah oui. Voilà. Ouais, une légende. Salut, Bah ouais, Caf, si jamais t'es là. ouais, ça m'étonnerait parce que je le vois streamer des annonces, il stream à minuit ou 1 h du matin des fois en ce moment. Je sais pas ce qu'il a, mais ouais, coucou Caf. Et donc CS, toi. Le serveur Ouais. joystick, et eh ben moi c'était TF2, les serveurs Canard PC, donc on est un peu Ouais. quelques années d'écart, mais ouais, c'est. J'ai arrêté à la 1.5, comme beaucoup, Ouais. parce que WoW. Non, 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 non. Alors, En fait, c'est attends. pas WoW qui a tué mon truc. C'était à l'époque, c'était DAOC. Ah oui. Dark Oui. Age. Of Putain, qu'est-ce que Camelot. j'ai farmé ce truc? Ouais. Qu'est-ce que j'ai farmé ce truc-là? Et donc, ben, en Ouais. fait, nous, on faisait du CS le soir sur serveur privé. Ben, en journée, on s'emmerdait. Du coup, ben, on a joué à Dark Age. Et D'accord. puis C'est resté. quand tu joues à Dark Age, tu voulais plus revenir jouer sur CS. Ils ont tué le bunny jump avec la 1.5. Et voilà, on a Ah arrêté ouais. le truc. D'accord. Eh ben, l'épopée gamer, vous voyez que le gaming, c'est pas forcément le mal, ça vous amène ici. Dans ce studio, 10 ans plus tard. Ça tombe bien, on va parler un peu de clavier gaming ce soir. Ouf, Mais ouais. on reviendra là-dessus tout à l'heure. Alors, quelques années passent, tu commences à t'intéresser au clavier, tu commences à regarder un peu Geekak, DeStoryTee, tout ça. Alors, est-ce que tu commences à regarder un peu les vieilleries que tu peux, sur lesquelles tu peux harvest, récolter ou reconvertir, ou est-ce que tu pars direct vers les custom Ah, moi, direct vers les custom, parce qu'en fait, à l'époque, j'aimais bien les claviers IBM. Ouais. Donc, quand j'étais à l'école, on avait des XT. Et Donc des modèles j'ai toujours F. été. Voilà. Et le truc, c'est que, ben, avec le boom de l'Internet, on a pu avoir. Enfin, les gens, surtout de eBay à l'époque, parce que nous, en Occident, ben, on n'avait pas beaucoup de choses. Donc, du coup, ben, tu trouvais ça sur eBay, des trucs tu cherchais surtout la seconde main, tu vois, des trucs d'occasion ou quoi au caisse, ben là, tu avais eBay à l'époque, donc du coup, ben, beaucoup d'achats sur eBay, à des trucs vraiment pas chers, mais comme l'Internet était au début, ben, tu n'avais pas beaucoup de gens qui mettaient des vieux claviers ou quoi au caisse, donc voilà, beaucoup de petites annonces, un petit peu farfelues, tu sais, à droite, à gauche, tu guettais le truc, quoi. Mais à l'époque, il n'y avait pas Ouais. grand-chose à se mettre sous la dent. Et Et donc, bon, après, on t'a chopé à peu près tout le stock d'ISO-BE sur les années qui ont suivi, ça, on connaît un peu l'histoire. Mais les customs, ça arrivait à peu près. Comment ça s'est passé?
Les custom, c'est arrivé avec la scission de Geek Hack et DT. Ouais, c'est Donc, vrai qu'il y a une naissance de scission. DT. Ouais, Avec la on. naissance de DT, curieusement, on ne sait pas pour quelle raison, mais je crois qu'Ardash avait plus ou moins évoqué. Je crois que c'était à cause de lui, qui avait, avec ses ventes de poker et autres, qui avait une section française sur DT. Oui, Il y avait j'ai carrément un commencé par sous-forum là. français. Oui, Ouais. j'ai commencé par là. Et donc, voilà, tu commences à avoir des petits trucs. Bon, pendant ce temps-là, Geek Hack grossissait de plus en plus. Tu avais de plus en plus de sorties de coréens. Donc, c'est là que ça a commencé. En fait, moi, j'ai connu un gars qui était en Australie. Il arrêtait, en fait, le hobby, lui. Voilà. Il arrêtait déjà, oui. Ouais, il arrêtait déjà parce que famille, parce qu'il devait voyager, il voulait faire autre chose. Et il venait d'avoir une petite fille, donc il dit, bon, je vends mes trucs parce que j'aurais plus le temps ou autre. Donc du coup, j'ai commencé à acheter une partie de sa collecte. Donc Ah mon oui, premier achat custom, t'as pas ouais. commencé par un custom, t'as commencé par une collec. Oui, j'avais à l'époque plein de SSK, des modèles M, deux, trois custom. Mon premier d'ailleurs, c'était un Kamak Mini. Ah, quand même, pas mal. Donc voilà. Donc à l'époque, je crois que j'en avais ach je l'avais acheté pour 2 500 $, un truc comme ça. Ce qui pour l'époque, alors pour les nouveaux, 2 500 $ dans des claviers pour l'époque, c'est une belle somme quand même. Hein. C'est à l'époque, il n'y avait pas un custom qui passait les 500 $. Non, c'était Et les modèles 300 M, c'était 50 dollars. balles, quoi. Ouais, c'était ça, c'était pas. Si, à l'époque, les SSK commençaient déjà à Ouais. être un petit peu chers, mais par rapport aux autres. Mais Ouais. On peut qualifier ça d'un peu d'une entrée fracassante dans le hobby. ouais, c'était lui en fait qui m'avait donné, tiens, t'as pas de truc. Il m'a dans le packaging, il y avait des cadeaux, des goodies, et notamment ce que je dis souvent dans mon stream, mon kick-up puller Philco. Donc Ah, il ça vient de venait de ton lui, premier donc. achat? Ouais, c'est mon premier Trop achat, il bien, venait ouais. avec. J'ai tout Trop bien, regardé. ouais. Maintenant, j'en ai une dizaine, mais sinon, voilà, j'ai tout trouvé que ce kick-up puller était au-dessus des Le autres. OG. Et du coup, j'ai regardé depuis que t'as dit ça, parce que je sais que j'ai un kick-up puller Philco. Je suis à peu près sûr de savoir lequel c'est, mais le mien, il est Ouais. pas, il est no name. Et il sort d'une boîte de kick-up de clavier Philco. Et il n'y a Ouais. pas de logo sur le mien. J'étais deg. Mais c'est le Ouais. même. Je sais pas C'est si le c'est le même. même. Je t'enverrai des photos, mais c'est un. D'accord. Non, je crois que le Mais. manche est un peu différent et le fil, j'ai pas comparé, j'ai pas pris des photos du tien. Mais Ouais. voilà, c'est Bon, je pour pourrais t'en prendre des l'anecdote. photos, mais. À l'époque, il y avait beaucoup d'imitations, en fait. Et c'est pas des. Normalement, si c'est le vrai, il y a gravé dessus. Tu vas Ça avoir coûtait une. rien, 3-4 balles. Va y avoir un gros pic de want to buy Figo kick up puller dans les Ah, chaînes je ne sais de petites pas. annonces demain. Je ne sais pas, on verra bien. Mais. voilà. Premier custom, un Duck Ouais. Mini en MX Black. Non, un Kamak Ou t'es Mini. Kamak Mini. En, oui, en vintage black. En Vintage Black déjà. Est-ce que déjà à cette époque-là, on faisait la dissociation vintage et. Oui. Ouais. Ouais. Le mec. C'était un vraiment. Lui, je ne sais pas de quelle époque il est, mais à mon avis, il traîne dans les forums coréens. Donc, Ouais. c'est un vieux. KBD C'est un Mania vieux. et compagnie. Ouais, c'est un vieux. Donc, lui, il était connu à l'époque pour sa collection de IBM. D'accord. Et ok, dis donc, ça ouais, je savais pas que tu étais rentré de manière aussi fracassante et déterminée dans le hobby. J'en suis pantois. Et alors, vas-y, on va continuer sur les premières expériences. Ton premier groupe bail. Est-ce que tu te souviens de ton premier groupe bail? Je Travailler la pense à putain. mémoire. Ah, je crois que Premier ça devait être des custom kick-up. ou Je crois que ça devait être des kick-up. kick-up GMK. Ah ouais? Ouais, je crois que ça devait être des kick-up GMK. Mon premier groupe buy, je pense que c'était. Oh putain, tu vas pleurer. Je sais, c'est lequel. Pardon? Tu vas pleurer quand je vais te dire c'est lequel.
Ah, alors. Mon vraiment premier groupe bail, c'était les Toxiques. Non! Mais j'avais participé au groupe bail, c'était pas pour les touches, c'était pour le brobot. T'es dégoûté, hein? Suis mort de rire. Mec, ça fait des C'était années qu'il chie sur les artisans. Son pour premier les groupe bail. brobots. C'était le brobot qu'il avait sorti. Où on pouvait gagner au tirage au sort. Tu sais, celui qui a un Ouais, peu jaune c'était du transparent, là. Bonilec dans le texte, C'est quoi. ça. Ah ouais, ça, c'était. Ça a pas raté, quoi. Donc, j'étais dedans. J'ai pas gagné, j'ai râlé. Bon, tant pis. Ouais, ça devait sûrement être Cherry Pick déjà à cette époque-là. Ouais, ou je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas qui. Il y en avait une dizaine, je crois, Ouais. au hasard. Bon, voilà, au hasard. Ouais. Mais tu voyais tous les modos l'avoir, donc tu te dis que c'est quand même Oh, bizarre, le hasard. comme de... C'est le hasard, Bon, hein? bah, à l'époque, c'était les dibs, hein. Tu connais Ouais. bien, hein. Donc, il y avait beaucoup de Ouais. dibs. Beaucoup de copinage, ouais. Et il y en a encore, ouais. Bon. Ouais, j'en profite encore, donc du coup, c'est pas innocent, quoi. Au moins, c'est un GB qui a été livré, quoi. Il n'a pas été Toxique. livré. Il n'a pas été livré, le premier? Moi, je n'ai pas été livré. J'ai dû. Alors, tu vas rigoler parce que j'ai dû. Ouais, c'était à l'époque où son gosse, il avait un bébé. Tu vois, il avait un gosse. Il était malade. Donc, du coup, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai été refund en JTK. Ah, c'est ça qui s'est passé. J'ai été refund en JTK violet, là, le truc, et Ouais. l'autre, et avec les stems top prêts pour compléter le montant. En Ok. fait, j'ai jamais eu mon premier GB, en fait, si tu veux Ah savoir. ouais, mais il y en a eu des toxiques qui ont été livrés. Non? Oui, bien Oui. longtemps après. Ouais. Bien longtemps après. Moi, je voulais pas attendre. Je Ah voulais ouais. partir. Déjà, un, j'étais rentré pour la 4, T'as je bien l'ai pas fait. eu. Oui. Je voulais pas attendre. J'ai dit la première occasion où il est revenu, parce qu'à l'époque, il revenait par épisode. Oh, je l'ai chopé en MP. Donc, du coup, il m'a proposé un trade refund. Du coup, j'ai pris le trade refund. J'ai coupé Un court, quoi. jour, on va inviter Bonilec, on va faire une historique de GB avec lui, on va se marrer. Ouais. Là, il y a de quoi faire plusieurs épisodes. Et ouais, l'histoire du gosse, c'est tellement. Le pire, il a fait un deuxième gosse après, et les mêmes excuses sont retombées quand moi je rentrais dans le hobby et que je sympathisais avec lui. Bref, ça c'est pour une autre histoire. Donc voilà, on a fait tes premières fois. C'est pas mal cette histoire. Et là, tout de suite, qu'est-ce que t'as sous les mains? Sur quoi tu tapes? Alors, je sais que t'es dans l'atelier, Ouais. mais t'as un clavier sur ton bureau là. Ouais, j'ai un clavier sur mon bureau. Vous Est-ce que allez tu tous peux nous... pleurer, hein, parce que je suis quelqu'un d'imprévisible. Vous voulez que je vous le montre? Ça a peut-être Non, bugué avec le détourage, mais vous allez. t'es pas obligé de nous dire ce que c'est. Je le montre, hein, j'ai Allez. rien à cacher. C'est le Cupad. Non, oula. Qu'est-ce que c'est? Je peux pas t'afficher plus grand. Quelqu'un arrive à lire? Oh, j'ai le petit retour. C'est quoi, c'est un Color Master? Je vois pas, je vois que c'est un full size avec un logo au-dessus de l'Aero Cluster. Mais Ouais. j'ai pas de scène où t'es en grand. Est-ce que je peux te regarder? En fait, c'est un Je peux Cherry. tricher. C'est Ah! un clavier Cherry Cherry OM! à la con, EOM, que je dois démonter. Du coup, ben, il est sur mon bureau, quoi. D'accord, c'est pour Harvest ou c'est pour C'est pour les Harvest. appareils? Il y a des MX2A Silent dessus. Ah, d'accord. Donc voilà, vous savez tout. Voilà. Et Donc, on va ben, il est dire. là. Ah, c'est des choses qui arrivent. Et puis c'est pas si mal que ça. Et Ah, moi, je suis. quand tu sors de ta cave, Ouais. qu'est-ce que t'as d'autre? T'as un autre clavier, peut-être dans la maison ou au En bureau? haut, Je sais que t'as du laptop alors, Apple, mais. j'ai un ordinateur à chaque étage. Ouais. Et donc, du coup, j'ai un toupie au Ray. Parce qu'en ce Un moment, toupie. ben, mon bureau est en travaux. Donc, du coup, ben, lui. J'ai investi la table dans la salle à manger en bas. Quelqu'un ici dans le chat peut le confirmer. Donc,
Là, j'ai si vous voulez voir le toupie, si vous voulez voir le toupie, il faut aller sur le Discord des amis de chez Flatbrains. Voilà. Ouais. N'hésite pas à mettre un lien vers votre Discord. Le coup, je sais pas si c'est ça que tu as posté, mais n'hésite pas. Ouais. Très très chouette comme clé, je suis d'accord. Et à l'étage, dans le bureau, j'ai un KBD 8X. La base. Solide. Ouais. Solide sur les appuis. J'en ai... Alors, pour ceux qui ont un doute, j'en ai 6. Donc, pour vous dire qu'il est bon. Il t'en faut encore un pour faire la semaine. Hein. Non, j'en ai 5. Il y en a un qui est parti il n'y a pas longtemps. Ah, d'accord. Et est-ce qu'ils sont tous de couleurs différentes ou... Ils sont tous de couleurs différentes. Génial. Donc, voilà. Bah, oui, en général, je ne reprends pas deux fois le même clavier. C'est rare. C'est très, très rare. Attends, Lucas, j'espère que c'est important ton truc. Deux secondes. Donc, ça, c'est les claviers à la maison. Je me prends des pings. Ok. Tac. Deux. Clavier à la maison. Et au bureau, tu leur montres des belles choses? Au bureau, j'ai un IBM membrane en ce moment. Genre le modèle M à membrane ou un membrane de contemporain Un membrane assez récent, là, avec au-dessus d'un cluster, un truc tout dégueulasse, quoi, mais... D'accord, ouais. Parce que voilà, j'ai encore vu passer aujourd'hui, c'est pour ça, un modèle M d'apparence, mais en dessous, c'est pas du Buckling Spring, il y en a qui existent avec des membranes. Oui. Et c'est super simple de se faire avoir, et c'est pour ça que je me suis dit, peut-être que tu fais des blagues aux gens du bureau. Non, il faut regarder le numéro. Avec un truc qui fait moins de bruit que prévu. Le numéro, en fait. Ouais. Alors, il y avait Bagri... on improvise, on fait pas de session questions-réponses, mais je vois qu'il y a une question. Après tout ce temps passé dans le hobby et tous ces claviers entre tes mains, aujourd'hui, qu'est-ce que tu recherches encore dans un clavier? Qu'est-ce qui t'enthousiasme? Et qu'est-ce que tu attends d'un clavier en particulier? Oh, la question bien vaste. Ben, en fait, je peux y répondre assez précisément. Ben, les claviers, c'est... Ben, en fait, ce qui m'enthousiasme maintenant dans les claviers, c'est la conception. D'accord. En tout cas, mais bah sur le stream, à mon avis. Donc, ils sont dégoûtés sur le chat, parce que quand je réponds, voilà. Attends, je l'arrête, je le relance. Ah non, c'est revenu. J'étais sur le point d'arrêter le stream. Il y a eu un drop. C'est bizarre, parce que nous, ça n'a pas drop du tout, la conversation. Du tout. Alors, est-ce que vous nous entendez, les amis? Faites signe, c'est revenu, ouais. Ouais, apparemment, c'est revenu. Et j'ai pas eu de drop de connexion avec Purée, c'est Twitch qui a coupé. Et j'ai pas eu de free sur la machine ou quoi. Ok, c'est nouveau. J'irai voir s'il y a des logs dans OBS. Il y a des logs dans OBS, je sais pas si ce sera dedans. Et merci. T'as pas ton debug en direct? Ah, tu m'as pris pour un zect. Moi, j'ai mon debug en plein milieu, en fait. Quand j'ai le paquet drop, je le vois direct. Ouais, mais le truc, c'est que j'ai pas eu de paquet drop. J'ai le débit qui s'est cassé la gueule, mais j'ai pas eu de frame missing ou quoi que ce soit, ou de skip frames. Je suis à 0,1% de frame perdu, et c'est au lancement d'OBS. Donc, je sais pas. Bon, alors, du coup, où est-ce que ça a coupé, les potes? Bon, je vais le répéter. Hein. Je disais... Ah oui, sur ce que tu cherches dans un clavier. Ouais. Du coup, je réponds à Bagri. Ben, en fait, moi, ce que j'aime bien dans les claviers, c'est la conception même. Donc, du coup, le clavier peut être rectangle, mais ce n'est pas trop un problème pour moi. Je recherche un certain type de son ou la polyvalence dans un mount. C'est ça qui m'intéresse, en fait. C'est la conception même du clavier. Pas trop, pas tant la forme qu'il a. Et quand tu parles de polyvalence, est-ce que tu parles d'un clavier qui s'adapte à toutes sortes de builds en termes de switch, de combinaison de plate et compagnie? Ou est-ce que tu parles de ces claviers qui ont plein de systèmes de mount? Les deux, parce que avoir des différents systèmes de mount sur un clavier, bon, ça reste toujours difficile. Je pense que les claviers, c'est un petit peu comme... ce qui existe aujourd'hui chez l'être humain, c'est si tu es spécialisé, ben tu es spécialisé, mais tu ne peux pas être spécialisé en ayant plein de compétences ou plein dans le sens où il y a des exceptions, mais en général, quand tu fais plein de choses au boulot, ben tu n'es pas spécialisé dans une matière particulière ou bien tu es trop spécialisé dans une matière et pas dans les autres ou tu es moins bon dans les autres. Donc du coup, un clavier, je le considère un petit peu comme ça.
Et ce qui est important dans un calvi, il faut que ça vous plaise. Vous en foutez un petit peu de ce que disent les autres, qu'ils aiment ou ce qu'ils n'aiment pas. Chacun a ses préférences. Mais moi, je recherche un certain type de son. Ce que je recherche dans un clavier en premier, c'est que toutes les roues sonnent à peu près pareil. C'est vraiment une gage de L'homogénéité. qualité pour moi. Mais c'est une préférence personnelle, hein. C'est pas comme il y en a le rattle, un petit rattle, ça les emmerde. Moi, ça ne m'emmerde pas trop. Ça, par contre, tu vois. Donc voilà, c'est. Par contre, les bruits parasites entre le top et le bottom qui se tapent ensemble, ça, c'est impossible pour moi. Donc, tu vois, c'est chacun Ouais, son. on bloque plus Chacun sur le. ses préférences. Ouais. Chacun a ses critères. Le son que fait les cris du clavier au fond du placard. Oui, ok, hello. Ouais. Mais On m'a t'inquiète signalé pas, qu'il y avait déjà la première les... annonce d'un Keepooler Philco en Oh. Discord. C'est déjà tombé. Ah, ok. Et voilà, Donc question voilà, de la préférence, les conception amis. plus que le design, quoi. Même si le design, je suis sensible aussi au design, hein. Mais c'est pas mon critère premier, en fait. Ok. Ouais, puis j'ai vu qu'aussi tu étais hyper ouvert en termes de layout sur ce que tu rentrais en clavier. Oui, je... Serait-ce Voilà, que ta c'est plus la collection de 40%. collection. Ouais, c'est juste mon côté collectionneur. Et tu t'intéresses aussi à tout le volet conception quand tu collectionnes des 40%, des choses comme ça, ou c'est plus vraiment la collection pure Non, les 40%, en fait, c'est parti du délire d'Ed Deity sur le forum 40%, mais en fait, j'aime bien, moi, les petits 40%, même si je n'utilise pas, c'est impossible. Ah ouais, quand même. Mais Faut dire ce qui est. oui, mais j'aime J'ai bien. une paire En de trucs fait, ce soir. j'ai des petits 30%, des 20%. Donc voilà, comme tu dis, je suis quelqu'un de relativement ouvert au niveau clavier parce que c'est ce que j'aime. Donc, mais c'est vrai qu'il y a, par exemple, le format, le 75%, j'aime pas trop, mais j'en ai Ouais. des 75%. Et ce que je déteste le plus, ce sont tous les claviers qui n'ont pas le 1U entre le Escape et le F1. Ah oui, ouais. Moi Ouais, j'aime bien supérieur au l'espace vide 60, comme quoi. ça pour trouver des touches. Ouais, je Bah, suis un c'est peu comme moi, toi c'est mon là-dessus. habitude. Donc, Ouais. le clavier, pour moi, ça reste un outil, tu vois. C'est pas un truc où c'est... Je suis habitué à ça. Bah, il n'y a pas de raison Ouais. que moi, je dois me forcer, tu vois, pour un layout ou un autre. Ouais. Je dois tout Et de suite, alors? c'est un outil, ça reste un outil. Ouais. Et juste un aparté, là, tu parlais du Deity 40% pour expliquer ce que c'est aux gens quand même. Oui. Je te laisse le faire. Non, tu peux le faire, hein, il n'y a pas de Alors, problème. je l'ai pas suivi de près, mais alors, si j'ai bien compris, on va tester ma compréhension. Ouais. Sur le Discord de la communauté 40%, Drus, si tu veux, mets le lien. Il y a un Discord vraiment orienté 40%, et donc sur ce Discord, c'est un peu comme des achievements, tu peux récupérer des rôles sur ton profil utilisateur. Peut-être des couleurs utilisateurs aussi liées au rôle, en fonction du nombre de 40% unique que tu es capable de flex. En gros, tu postes une photo avec tous tes 40%, et selon le nombre que tu présentes, tu atteins un certain rôle. Et donc, à partir d'un certain nombre, dont j'ai oublié la quantité, 20. tu atteins le rôle de deity ou divinité, et c'est le Saint Graal des rôles de flex sur ce Discord. Est-ce que c'est ça? Oui, c'est bien ça, c'est 20, 20, C'est 20 20? plus, ouais. Donc à partir de 20, tu vois. Ils auraient pu faire 40, 40%, 40 claviers, je sais pas. Et je me suis quand même rajouté une petite difficulté au rôle, c'est que je ne voulais que des 40%, mais aluminium. Ah Je ne ouais. voulais pas de plastique, je ne voulais pas Ah bah oui. de FR4 ou des layers de plastique ou quoi. Juste en alu. Et je sais que t'as pas encore posté, d'après ce que disait Drus dans le chat, mais au Non. niveau quantité de clavier, tu t'approches, tu l'as déjà passé, ce stade, Je l'ai les déjà 20 dépassé depuis un moment. Ouais. Je l'ai déjà dépassé depuis un moment. C'est que maintenant, le problème, c'est de les retrouver. De les retrouver, d'en faire une photo. Parce que, bon, ça, il y a peu de gens, même moi je l'ai pas vu, mais qui ont vu le stock de purée, mais j'imagine les cartons, ça doit être quelque chose. Ouais, je suis pas le seul apparemment. Bon, bah dis donc, sacré dossier ce soir, les amis. Voilà.
Et puis, aussi, il y a quand même un gros volet dont on n'a pas parlé. On peut en parler si toi ça te va. C'est PKS. Ouais. Qui est en train d'arriver tout doucement, discrètement. Ça se met en place. Ouais. Voilà, donc tu te, entre guillemets, professionnalises. Bon, ça fait des années déjà que tu proposes tes services d'assemblage, de modding. L'assemblage, c'est plutôt pour les potes ou vraiment des cas particuliers de claviers sophistiqués ou les ouais. vieux au TD. Ouais. Je fais partie de l'annuaire des gens qui savent monter et réparer des OTD. Mmh. C'est vrai que c'est une science. C'est une science. Le truc, c'est que PKS, bon, en fait, avec le temps, j'étais mêlé à... Même depuis longtemps, même, on me demande souvent mon avis sur un build, une review... ou quoi au caisse avoir une société te permet en fait de travailler un petit peu à approcher le monde du pro, de pro à pro en fait, pas de entre particuliers. Le bull service c'est souvent pour les potes et des cas particuliers que je disais, et mais sinon mon créneau c'est plutôt la lubrification de Switch, quoi. Ouais, le conseil fameux own lub. Ouais. Voilà. Et donc PKS, ça va te permettre de t'ouvrir un peu plus publiquement sur le monde ? Non, pas vraiment, en fait. C'est juste et administrativement. En fait, il est né, le shop, il est né parce que beaucoup de shops ont demandé à travailler avec moi pour la lubrification de Switch. Et il fallait une société pour facturer TVA, TVA. Quoi. Et... le truc, c'est que moi, je voudrais bien run. Bah, du coup, quand tu crées une société, il faut des rentrées. Les shops m'ont un petit peu lâché dans le sens où on m'avait promis des choses. Bah, du coup, la société, elle est créée. Du coup, tu as des frais. Tu dois rentrer dans tes frais. Et je vais ouvrir un shop dans pas longtemps. J'ai eu un événement malheureux qui s'est passé en fin d'année dernière. Du coup, ça m'a pas... Je n'ai pas su avancer comme je voulais. Et, en début d'année, le boulot m'a un petit peu rattrapé. Donc, le shop est un petit peu en retard. Quoi. Mais. D'accord. Ça vient. Le but du shop, c'est de mettre quelques switches comme ça, déjà lubrifiés, et run des petits GB de clavier. On va dire un petit peu haut de gamme. Mm-hmm. En in-stock, si possible. Ah oui, bien. Donc, faut que je vois les finances et autres. Donc, du coup, voilà. C'est le projet, mais je ne sais pas si ça sera réalisable ou pas. On te souhaite tout le bonheur du monde dans la réussite de ton projet. Moi, je fais partie des gens impatients de voir ça se concrétiser. Et oui, Invis, le stock mondial d'alpaca qui va pop chez PKS, peut-être. Peut-être. Mais voilà, considérez-vous prévenu. C'est dans les cartons. Il y a beaucoup de cartons chez Purée, mais il y a ça aussi. C'est une exclusivité de ce stream parce que j'aime pas trop en parler, parce que j'aime pas parler des projets qui sont encore entre guillemets dans les cartons, comme vous me dites. Donc du coup, voilà. Vous avez peut-être déjà vu passer un certain logo de PKS qui a été design par Bip, on peut le dire. C'est resté, en famille. Bip qu'on salue. Peut-être qu'il nous graciera de sa présence un jour sur ce plateau. Je n'ai pas demandé, mais c'est prévu. Voilà. Voilà pour PKS. Voilà. Ça bouge petit à petit. Ouais. Sacré aventure. Hein. Je n'espère pas être un grand shop parce que je n'aurai pas le temps de le gérer. Mais voilà, de run des petits trucs un petit peu... Tu veux pas racheter le stock de My Keyboard? Non, il n'y a plus rien à acheter, sauf 2-3 trucs. Ouais. Voilà, là, j'attends la promo et je vide My Keyboard, mais c'est ça. Pas faire le coup. Bon. Voilà. Bon, toute une belle épopée. Est-ce qu'il y a des questions complémentaires pendant... Profitez-en, parce que c'est pas tous les jours qu'on a le Sensei épuré dans les locaux, dans le studio.
Il attend le moins 90%. Bah oui, il a raison, hein. En même temps, il y a eu quelques bonnes affaires à faire hein, chez Mikey Bourne. Hein. Évitez juste les groupes buy, c'est plus trop la saison. Ah oui, les stocks qui dorment chez GMK, ouais, bah, je crois qu'ils vont finir ailleurs. Hein. Je pense que c'est plus Oblo et compagnie qui vont les récupérer. Hein. Alors, Voilà. contrairement à ce qu'on peut voir, je suis pas très qui sait, moi, donc non, pas trop acheter les. Et en ce moment, surtout en ce moment, l'aftermarket des Keysets, bah on a le retour des bâtons du Covid. Bah n'achetez pas vos 7 GMK à plus de 80 balles, quoi. Je vais dire ça comme ça, à bon entendeur. C'est compliqué. À moins d'avoir un vrai coup de cœur, mais ça devient de plus en plus dur. En fait, un des premiers trucs auxquels j'ai pensé quand Mikey Bourne ont commencé à faire des grosses coupes sur les prix pour rentrer du cash flow en urgence, c'est ils ont créé un précédent de fou à faire des GMK à moitié prix ou à 80 ou 70 balles. Ils ont créé un précédent de fou. Quand tu commences, tu goûtes au GMK à 70 balles, tu te dis, ouais, j'ai plus. Est-ce que j'ai envie de mettre 150 balles sur mon premier prochain GMK? Bah. C'est un peu ça, quoi. C'est ça que ça a été. On leur a re... Les shops leur a reproché beaucoup ça parce que bah, en fait, ça a tiré le prix vers le bas. Bah, en tirant les prix des shops vers le bas, bah, la marge est tirée vers le bas. Aux États-Unis, il y a quand même Novel Keys qui, eux, ont l'air d'aller assez bien, vu tous les nouveaux produits qu'ils n'arrêtent pas de sortir, qu'on fait des sacrées promos sur les 7 GMK. S'il y avait du GMK à Ben, 99 ou 89 dollars, je sais plus. bah, Novel Et Keys, ils plein, hein. Il y avait fonctionnent Grand comme Prix dans le top. ils fonctionnent comme des hypermarchés. Ouais. Ils doivent bouger l'inventaire. Au bout d'un moment, si l'inventaire ne bouge pas, c'est du dead stock. Et C'est ça. bah soit tu restes avec pas de trésorerie et du plastique sur ton étagère, soit tu soldes et puis voilà, tu peux t'essayer de perdre le moins possible. Et c'est ce qui est paradoxal, hein, parce que le nombre de gens dans le hobby augmente de façon exponentielle. Mais tu vois que le marché de l'aftermarket se casse la gueule, quoi. C'est quand même rigolo, hein. J'ai Parce pas que été en voir les fait, stats. Parce que y sur a un me. gros, gros, gros engouement sur les claviers à 100 balles, quoi. Ouais. Parce que pendant des années, le métrique qu'on utilisait, c'était le nombre d'abonnés sur le subreddit r/slash mechanical keyboard. Ouais. Et on voyait que c'était vraiment une courbe exponentielle. Mais tiens, ce serait. S'il y a quelqu'un qui veut aller voir. Taper Reddit, subreddit, stats, il y a plein d'outils de sites qui le proposent. Ça m'étonnerait pas que la population elle a commencé à faire un peu un plateau, à se calmer un peu la courbe, à s'aplatir, mais Ben, je peux me c'est pas tromper. dû à l'affaire du Reddit Gate, là? C'est-à-dire, quand les gens se sont Ben, barrés, quand ça a râlé, quoi. quand les modos se sont mis en grève, Ouais, ouais. je pense qu'il n'y a pas que ça. Parce que honnêtement, très honnêtement, alors il y a peut-être moins de fréquentation et moins d'engagement, mais Reddit est très très loin d'être mort. Hein. Il y a des alternatives qui sont créées comme Lemmy, qui sont une alternative à Reddit fédérée, un peu comme Mastodon. Moi je suis dessus, mais il y a personne Ouais. sur la partie clavier. Il y a Ben, 500 bugs qui postent un thread tous les 2 jours, quoi. de toi à moi, ça fait 1 an et demi, je mets plus les pieds sur Reddit. Ouais, à une époque, je faisais quotidiennement. Après, j'ai arrêté, mais. Ouais, je sais pas. S'il y a des Redditeurs très actifs dans le chat, n'hésitez pas à nous explorer un peu. C'est vrai que Jeb, il marque un point. Discord a Ouais. bien remplacé le workflow des gens. Hein. Il a que de 2 ans sur GMK, qui a fait des dégâts. C'est vrai. C'est vrai que ça en a frustré plus d'un. Peut-être que dans quelques années, certains voudront mieux et un autre palier arrivera. Ouais, là, je pense qu'on a quand même un degré d'offre sur le marché qui répond à beaucoup, beaucoup de demandes. C'est vrai que le milliard de Discord, moi, j'en peux plus. Hein. Je suis sur la version Discord Prolo, pas Nitro, même pas le Nitro à 3 balles ou quoi. Les 100 Discord, j'en ai 90 de clavier et 10 pas clavier. Et je suis obligé de quitter des Discord pour en rejoindre de temps en temps. C'est Ben fou en comment ça fait, s'est. Ouais, il y a une pareil. fragmentation comme ça de la communauté avec tous les Discords. Ouais. Pareil, je suis dans plein de Discord privés, quoi. Il se passe jamais rien, quoi, en fait, sauf quand un sort un truc, quoi. Mais c'est tous les ans une fois, quoi. Mais bon.
Bah, Lucas qui confirme un peu ma théorie, là, ça ralentit à peu près au niveau de RMK, mais c'est pas non plus le plateau. C'est vrai que le plateau, je pense que on en est loin, mais ouais. Ouais, voilà, bon. Pour la commu, bah ouais, nous, c'est Discord principalement. J'essaie de pas aller sur trop de Discord, mais en tout cas, je ne suis que... Moi, je regarde que 3 ou 4 des Discord. Le reste, j'ai... Après, t'as plus le temps, quoi. Discord FR, MKFR, Flatbrain, ouais. Puis ça, 2-3 trucs privés, anglais, français. Et t'as fait le tour. Moi, j'ai genre 4 serveurs en haut. Serveur de zéro, je regarde un peu, mais... voilà. Voilà, voilà. Bon. Est-ce qu'il y avait d'autres questions dans l'assemblée? Ah, il y a d'autres communes qui tournent encore. Bah écoute, tant mieux pour la commu des stylos. Ça me fait pencher que j'ai perdu mon stylo fétiche, là, faut que je retrouve. Voilà, voilà. Bon, bah, belle épopée. Bonne chance à PKS. On va... Merci. On va... Alors, tiens, hop. Permettez que je fasse ça bien. Normalement. Si je barre ça. Et que je reviens là. Voilà, le Tekilol, l'interview du début, c'est terminé. On va passer en mode vraiment clavardage. On va voir si j'ai pas pété mes scènes. C'est un truc que j'ai pas check, ça. Tu vas me dire si, un, tu le vois dans le partage d'écran que je te fais, ou le Chrome, parce que je crois que j'ai deux instances. Alors, on va passer là, évidemment. Oui. Là, j'ai un Chrome. Et si j'ouvre ça... Donc, dans le stream, c'est bon. Est-ce que tu vois Geekak sur mon partage d'écran ou pas? Non, je vois un non, truc. T'es resté sur le QPAD. Là, je vois sur le. Je suis sur le stream là ici. Et je vois le partage Geekak. Oui. Et bon, je crois qu'on va bosser avec le stream parce que je sais pas qu'est-ce que j'ai fait. Attends, c'est peut-être en passant là. Non, attends. Hop. Je suis à vous tout de suite, les amis. Voilà, j'essaie d'améliorer un petit peu le stream chaque semaine. Et là, je voudrais partager mon écran à purée, qu'il n'ait pas le décalage du stream. Donc là, normalement, okay. Tu dois voir Geekak dans notre dans le truc Ninja pour parler. C'est bon. Super. On va pouvoir commencer à bosser, les potes. Alors, on vérifie que j'ai pas fait de but. Alors, vous avez pu le. C'est bon. Voilà, c'est réglé. On y arrive. Je relis le chat. Il y aura un rendez-vous hebdomadaire des streams de purée. Ah, écoutez, non, ça, mettez la cloche. Mettez la cloche sur le Twitch de purée qui nous gracie de quelques builds depuis quelques temps. Il est stream plus en 2 mois qu'en 10 ans. Mais allez voir sur... n'hésitez pas à mettre le Twitch de purée dans le chat. Je le remettrai dans les liens dans la VOD YouTube. Mais abonnez-vous. Mettez une cloche. En général, on ne sait pas à l'avance quand ça va se produire. Donc ouais, mettez les notifs pour purée. Moi, j'essaie de vous prévenir. Voilà. Merci Druze. Et donc, on va embrayer sur les clavardages. Alors, on en sautera peut-être quelques-uns. Il y a quand même pas mal de trucs. Je crois que j'ai 25 items dans ma liste. Donc, allez, on commence. On commence en faisant presque un aparté. Je voulais juste passer là-dessus. Les résultats du MKDC 2023, pour ceux qui n'auraient pas suivi, sont tombés. MKDC 2023, c'était Mechanical Keyboard Design Competition, et c'était un concours de design de clavier auquel j'ai participé avec, en compagnie de Plaquette de Beurre, Druze et Lucus. Voilà. Et on a gagné. On est dans les 8, il n'y a pas de classement de 1 à 8, en tout cas j'espère que ça c'est pas premier. On est dans les 8, en théorie ça nous garantit un proto du Scoop 60 avec lequel on a participé. Et plus 6 affinités, normalement la boîte propose du conseil, aussi bien à la conception qu'à la fabrication et voire à la distribution. Il se peut qu'on ait déjà planté quelques graines pour la partie distribution. On attend de voir un peu comment ça se passe avec les personnes qui gèrent MKDC, donc Element Workshop. Et merci pour vos GG. Et puis, bah, on vous tiendra au courant. On vous tiendra au courant. Probablement par le Discord Flatbrain. Hein. J'ai pas envie de créer un Discord French Touch ou quoi que ce soit. Allez sur le Discord Flatbrain. Il y avait le lien dans le chat tout à l'heure. J'essaierai de le remettre dans les... N'hésite pas à le remettre, Lucus.
Le spectre, c'est le moment de 60, on est d'accord. Ouais, j'en sais rien, peut-être, peut-être. Voilà. Avec James Pank qui a gagné deux fois avec deux bangers aussi. Le Matter 65, le truc le plus intéressant, c'est en dessous. Là, sur le Slap 65, c'est super cool. Il y a une barre pour, je sais pas, pour les gens. Quoi. Moi, ça me fait penser au bar un peu pour personnes à mobilité réduite, mais c'est, il est marrant. Les knobs à la verticale, on voit mal sur la preview là. Les knobs à la verticale sont pas mal. Moi j'aime bien l'implémentation. Les trucs blancs, ça me fait rappeler au mode de stab de Rama, quand il mettait de l'espèce de gain thermo sur ses stabs là. Ça me rappelle trop ça. Et le keyset, je crois qu'on va le retrouver chez Monokai, il me semble. Je crois qu'on l'a vu passer sur le Monokai Systems, là, le keyset Bauhaus, dans l'esprit Bauhaus. Voilà, bon, en tout cas, c'est marrant. Le VKR, là, on le voit pas sur la miniature, mais juste pour ceux qui n'auraient pas suivi, c'est un 5K, ça s'ouvre. Il y a un pivot, là, et ça s'écarte. Quelle horreur. C'est le layout 5K, c'est... Ah, layout 5, j'aime. Ah ouais, t'aimes pas? Ah, tout ce qu'il y a, il y a un truc sur la gauche, le escape décalé, là, c'est... Non. Attends, j'essaie de vous trouver un truc. J'essaie de trouver un truc juste parce que... Est-ce que j'ai le truc couvert? Attendez, bougez pas. Hop, 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 hop. Est-ce que je vais le retrouver rapidement? C'était le VKR. Je vous le mets dans Chrome. Je vous mets juste le PDF du mec, vous voyez mieux. C'était ça l'idée. Inspiration, j'ai 85 000. Et voilà, ça s'ouvre. Ouais. Ah, du coup, il a pas mis de pivot en fait, c'est un split. Il a triché. Il n'y a pas de pivot au milieu. J'avais pas percuté. Non, c'est un 5K au rabais. Ah ouais, ouais. Oh, je l'aime beaucoup moins. Il a pas fait de mécanique. Mais regarde l'escape décalé quoi. Oh purée. Ah ouais, toi. Ouais. Ah ouais, non, c'est... Ah oui, non, c'est vrai qu'il a décalé le F1. Ouais, il y a des trucs. Ah non, c'est non. Et juste pour garder le bloc, tu sais, après le F12, un bloc 1U, parce que c'est à la mode, quoi. Super, quoi. Moi, le cluster du 5K, honnêtement, j'aime bien le 5K en soi. J'aime bien beaucoup l'idée. Surtout le délire barre d'espace sur le vrai 5K. Mais le cluster, là, l'espèce de... On dirait un drapeau. Le drapeau à la fin du niveau de Super Mario, là. Les flèches avec le cluster de 6. Là. Non, c'est compliqué. Mais bon, ça reste un design iconique, quoi. Voilà, donc ça c'était pour revenir vite fait sur notre victoire avec le Scoop 60 au concours. Et merci pour tous ceux qui nous ont soutenus avec les votes, qui n'ont servi à rien, parce que celui qui a gagné le vote du public, c'est ça, c'est ce truc-là. Log 60, bon, la présentation est pas dingue, mais en fait, l'idée c'est que ce soit du bois, il me semble. Mais bon, c'est... Apparemment, ça a marché. Je sais pas où, je sais pas d'où les votes sont venus, mais... Voilà. Et je pensais pas que ce serait lui qui gagnerait. Si vous voulez des PDF de certains trucs, j'en ai qui traînent, n'hésitez pas à venir me demander, parce que malheureusement, c'est plus sur le site. Il y a le PDF du Scoop 60 avec un faux interest check sur Geekhack. Il est sur le Discord Flatbrain, et sinon, venez demander. Perdre face à une bûche, c'est moche. Ouais, perdre face à un truc... Ah, vas-y, je vous mets le PDF du Soju, quand même. Je vous mets le PDF du Soju, parce que... Il y en a qui l'ont pas vu et c'est pas mal aussi. Soju, parce qu'on avait qu'une miniature. Au début, t'avais que la miniature pour voter. Et le Soju, il y a des histoires de K-pop, de K-drama et tout. Et en gros, c'est une inspiration bouchon, verre, bouteille, goût. Il y a toute une explication. Vous repasserez la VOD au ralenti si vous voulez voir. Des très beaux rendus crayon de couleur. Ça, je sais pas comment tu fais sous Blender. Il va falloir qu'on cherche, Ruse. Mais au moins je trouve ça c'est mieux que rien du tout pour transmettre une idée. J'apprécie l'effort perso. Ça parle de matériaux, ça parle de mécanismes inspiré par le Jelly Evolve. Je sais plus ce que c'est ça. Super. Bah, c'est le dernier Jelly 75. Ah ouais. J'en ai bu l'un la semaine dernière. Donc... Bah oui, évidemment. Purée, incollable. Voilà, le Soju. Et alors, pendant qu'on y est, je vais vous montrer un truc qui n'était pas que le public n'a pas vu. Je le leak. Hein. Je sais pas si j'ai le droit, mais je m'en fous. Un truc qui n'a pas passé la présélection. Il y a 20 claviers qui ont passé la présélection. Moi, je vous mets mon préféré. Attendez, il y en a deux. Juste,
Alors non, c'est pas celui-là. Je crois que c'est celui-là. Voilà, l'aileron. Regardez-moi cette beauté. Le cub. Inspiré des ailerons d'avion. Avec ça, je crois que c'est articulé. Une dingue. Il en avait fait deux. Il est quand même rentré avec deux designs. Hein. Le ou elle, je sais pas. Mais moi, l'aileron, c'était mon coup de cœur. Non, je ne crois pas que ce soit français. J'ai la description, mais ouais, on va arrêter le leak là. Moi, perso, ça m'a fait mourir de rire. Voilà. Il y a l'idée. Bah ouais. Il y a clairement une inspiration. Après, bon, faut avoir envie, mais voilà. Voilà, c'était la partie MKDC. Je suis déjà en train de passer trop de temps là-dessus. On va rentrer un peu dans le vif du sujet avec les IC, les groupes bail, un peu tout. Alors, c'est un peu mélangé, comme d'habitude, mais j'ai réussi à regrouper 2-3 catégories en plein milieu. Vous verrez, quand on y arrivera, vous en serez informé. On va commencer par un petit trait de geekac, Tetris. PBT fan Tetris, qui est en interest check. Et alors, bon, Lucky 7, donc inspiration Tetris, avec plein de sous-légendes. Je sais pas si je reconnais tous les caractères. Au début, je crois que c'était du cyrillique, après du je sais pas quoi. J'ai pas. Tiens, faut que j'arrête de faire mon zéro et que je lise. Peut-être, c'est peut-être expliqué. Pourtant, il me semblait avoir fouillé, mais j'ai raté ça. Plein de caractères spéciaux. Donc, il y a un autre truc qu'on n'a pas encore vu. Je vais scroller un peu. Donc là, vous avez le base kit. Il y a un truc qui m'a frappé dans l'IC. Je suis un peu intéressé par vos retours. Alors là, il y a plein bon, toute la partie gamer, là, les typos pixelisés comme ça. Je suis pas ultra fan, surtout que le dice-up va adoucir un peu tous les écrétages. Là. Il manque quelque chose, je sais pas. Ouais. Il y a beaucoup de touches qui manquent de contraste en fait, où tu as des couleurs claires sur des fonds clairs et il y a un petit manque de lisibilité par endroit. Ou alors, tu as même des touches qui ont des sous-légendes et pas d'autres, ça fait bizarre. Bon, c'est pas inintéressant. Alors voilà, moi c'est ça. C'est là les renders qui m'ont fait tiquer. Alors, c'est fait avec de l'IA. Il y a forcément de l'IA dans l'histoire. Ah ouais. Mais alors, je suis pas en train de complètement critiquer l'IA, parce que bah, par exemple, votre packaging BSN, il est grandement basé sur de l'IA qui a été retravaillé. Mais là, c'est un autre level. Il y a quand même j'ai l'impression qu'il y a une intégration de rendu 3D sur un truc basé sur de l'IA. Il y a plein de trucs, regardez, il y a plein d'artefacts ou de bidouilles qui crient IA, et ils ont été calés un rendu là-dessus. Et moi, ça m'a vraiment interpellé comme truc. Regardez, là, il y a plein de bugs sur les lumières et tout. Et on est sur le début des IC qui font usage de l'IA. Bon, ils n'ont pas cherché à remettre des textes corrects ou quoi que ce soit, quoi. Voilà, je sais pas, moi ça va faire un peu bizarre du coup qu'on dise bon bah vas-y, hein. On va pas essayer de, même pas essayer de faire semblant. Tu aimes bien ou... Bah ouais, je suis un peu bizarre, perplexe. Tu aimes bien ou... ça me dérange en fait qu'ils aient pas fait l'effort de aller corriger ne serait-ce que les textes ou aller refaire certaines ombres qui sont pas. Genre là, il y a un gros problème d'ombre sur le troisième, je crois que c'est le pire. Tu vois clairement que les touches, tu as les ombres, l'éclairage. Là, tu vois que la lumière vient d'en haut à droite. Ou d'en haut, même. Quand tu regardes les ombres, la projection sur la souris, je ne sais même pas si c'est une souris. Et puis, donc tu as une ombre à gauche sur la souris. Et tu regardes les touches, tu n'as pas du tout d'ombre à gauche. Ils n'ont pas match le flou, le grain. Il y a plein de trucs de retouches qui auraient pu être faits, qui n'ont pas été faits. Enfin, ça fait... C'est ça, il y a un problème d'intégration et peut-être... Mais pour moi, je crois que c'est le premier IC où je vois une implémentation de l'IA dans les rendus. Donc, même si c'est pas ouf, je pense que l'IC, il marque... C'est un peu une milestone pour moi dans l'histoire des interest checks. Alors, les histoires de Matrix... Le Matrix, on voit, je ne l'ai pas mis au programme, mais on reviendra peut-être dessus. Voilà, donc ça, c'était pour Tetris. Voilà, je vois que les gens ne sont pas forcément hyper fans. Bon, on est d'accord. On est d'accord. Et pourtant, je crois qu'il a,
il a pas trop mal marché dans les commentaires. Ça se bouscule pas au portillon, vu le nombre de réponses non plus. Mais voilà, donc ça c'était pour Tetris. Allez, on se fait un autre IC de clavier vite fait. Celui-là, il va aller beaucoup plus vite. On va parler de Jailbirds. PBT Jailbird. Alors, j'ai pas forcément la référence de Jailbird, j'ai même pas Google ce que c'était. Vite fait, c'est quoi Jailbird, c'est quoi? C'est une série? Non, il doit y avoir un autre. Les oiseaux en cage, quoi. Il doit y avoir autre chose. Moi, j'ai vu des Alpha IKEA Web Edition. Je sais pas ce que t'en penses, purée. On a eu un set comme ça. Moi, ça me dit quelque chose, tu vois, cette couleur-là. Un peu le. Bleu comme ça et noir. Bleu. Ouais, parce que bleu et jaune, c'était le truc de sous-marin, là. Mais avec du noir dans les modes. Je sais pas. Mais je ne sais pas où. Donc, du coup, comme les keysets, ça m'intéresse. Ouais. Pas des masses, quoi. Du coup, j'arrive pas à mettre la main. Sur ce que j'ai vu, ce color. Après, ça part un peu en icône mode Weebly. Là. Mmh. Bon, voilà. IKEA Web Edition. C'est juste un IC. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à laisser un commentaire à la personne. Ça se bouscule pas non plus. Dévota, Didier. Après, je dis pas que j'aime pas. Hein. Ah, peut-être. Dévota. Oh, Dévota, ouais, c'est pas. Makeyboard. Oui. Ah, il y a quelque chose. Ah, tu remplaces le jaune. Voilà, plus, moi, il me semblait que j'avais déjà vu. Il me semblait que j'avais déjà vu ce truc. Bien vu. Bien vu, une vise. Ouais, et ouais. Bon, bah voilà. C'était pour. On va enchaîner. Il y a plein de trucs. Hein. C'était pour vous montrer ça. Ah, si, on va le faire bleu un clavier. Le royal comme ça, c'est encore pas mal. Ouais. C'est vrai qu'il est hyper saturé. Je demande à voir en vrai. Hein. Ouais. Je demande à voir en vrai parce que là, on est sur du. Non, est-ce qu'on est pas sur. On est sur du Dicev ou de l'ABS, non? Double shot? Non, il dit rien sur son trade. PBT? Manu, oh, triple shot PBT. Triple shot PBT. Et il considère hautement l'ABS. Ok, triple shot PBT, je demande à voir. T'en trouves pas à tous les coins de rue. Bon, voilà. Allez-y, on passe au suivant. Ça, on passe sur un clavier. Dont je l'avais repéré avant que t'en parles, mais il me semble t'avoir vu en l'évoquer. Ouais. Un clavier pas cher, clavier budget. Hein, tu peux prendre un Cycle 7 ou un Type 0180 à $969. Ah, ça fait Apple. Ah bah complètement, ouais. Les espèces d'alu retravaillées, brossées sur les ports. Comme ça, non ouais. Et des arrondis dans tous les sens. Je sais pas si c'est assumé. Alors moi, ce que j'avais surligné. Voilà, bah, y a les stands. Et le gros gimmick, entre guillemets, du clavier ou feature, c'est les stands. On va les voir un peu mieux, là, vous voyez. Cette épaisseur, en fait... Alors, ça vient se clipser. Ça vient se clipser. On commence la page par le bas, pour mieux comprendre. Ça vient se clipser, et après, on a différentes hauteurs de stand. La pièce en bas, là, il y a deux hauteurs. Ce qui fait qu'on peut avoir deux hauteurs pour avoir 4 ou 8 degrés. Bon, c'est pas le truc que tu vas changer hyper souvent. Ça me rappelle les pieds du canoë V2. C'est le truc que Zéro a passé une après-midi à assembler. C'est bien ça, ouais. Où tu peux permuter un grand pied moment, pour avoir différentes. Ouais. Ouais, un grand moment. Mais ouais, bah du coup, moi ce qui me gêne un peu, c'est l'histoire de 4 ou 8 degrés, c'est hyper arbitraire. J'aurais presque voulu qu'il propose d'autres hauteurs ou même qu'il, je sais pas, il y a peut-être un truc à faire un système. Là, quand tu vois la complexité de l'assemblage, il y a presque moyen de faire un système où, qui se visse ou tu fais varier la tension pour avoir quelque chose d'intermédiaire. Parce que si tu me demandes de mettre $1000 dans un clavier, je serais pas content d'avoir peut-être un peu plus de pouvoir sur la précision de la hauteur du truc. Pour moi, il y a peut-être un truc à faire en plus, là. Ne serait-ce que de pouvoir tourner le truc pour pouvoir changer la hauteur, ça pourrait être cool. Après, bon, la vue de dessus, elle est... C'est particulier, quand même, comme clavier. Je sais pas pourquoi j'ai mon surligneur qui vient là. Hein. C'est particulier comme forme de clavier. Je sais que c'est pas forcément ce qui te cause le plus. Mais voilà, bon... En tout cas, c'est très original. C'est pas donné du tout. Si 4 degrés ou 8 degrés, ça vous va. Moi, j'aime bien. J'aime pas trop la tranche, tu vois. Ouais.
Ou tu la à gauche, là, ce que tu soulignes à gauche, là, j'aime pas trop comme ça, mais quand tu dis il est posé sur le bureau, je suis Ouais. pas. Ouais, ça peut bien s'intégrer sur un bureau. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de rendus in situ sur des bureaux. Par contre, il me semble, j'ai pas vu aucune mention de l'ISO. Hein. Je te dis. Hein. Aucune compat ISO annoncée en tout cas sur la page. Et là, on est sur la page de pré-order hein, en plus. Donc, À mon avis, non, il y en a pas. Winkeyless. Il y a des petites plates à 39$ et des PCB à 79$. Ça va. Qu'est-ce qu'il disait d'autre? Ouais, non, c'est à Taïwan. J'avais pris d'autres notes là-dessus ou pas? Non. Bon. Voilà. Oui, c'est cher. C'est cher, mais c'est original. Est-ce que le prix est justifié compte tenu de ce qui est proposé? Est-ce qu'il y a d'autres choses? T'as un tournevis avec. T'as un tournevis. Avec. Non, c'est pas un tournevis de base, c'est quand même un tournevis, comme on dit, comme toi tu as, avec. Pas à cliquet, mais. Dynamométrique. Dynamométrique. Torque limiting, à mon avis, ça doit être dynamométrique, la traduction. C'est bien ça, ouais. Donc c'est pour. Voilà, il y a 300 balles de tournevis, avec le clavier. Mais ouais, 79 balles de PCB. C'est un gros clavier, pourtant il fait que 1,8 kg. Hein. C'est assez léger. Hein. T'as des 60% qui vont dans ce territoire-là, quand même. Mid-layer en silicone, poron en dessous. Donc un peu de plate, mais pas trop. Il y a une histoire de Gromé Mount. Donc montage sur œillet qu'on n'a pas vraiment. Peut-être que le Gromé Mount, en fait, c'est le pied. Peut-être pas la plate. On n'a pas trop vu Oh, il dit l'interne. que c'est il dit que c'est un isolette gasket, il dit. Ok, alors il marche trop bien le site sur Chrome. J'ai le tournevis qui est resté en superposition. Ok. Voilà, bon, je vais passer sur Firefox, ça passera peut-être mieux la prochaine fois. Mais bon, voilà, c'était le truc très cher du jour. On va enchaîner. Le prochain, voilà, je passe 2 secondes dessus. Je passe 2 secondes dessus parce qu'il y a, il correspond au. Les deux prochains items se font écho l'un à l'autre, on va dire. On parlait. Donc là, on est sur un petit FRL qui n'a pas fait trop de bruit sur Zfrontier. Le Starry Pink Guitar Rock Starry FRL 70% kit. Voilà, c'est rose pour toi, Lucas. Et donc, on est sur un FRL avec knob à gauche. Mais c'est marrant, le Oh petit knob non, guitare. Ouais, ça m'a fait pitié. craquer le knob guitare. Bon, alors ça, les phares, là, c'est non, c'est gauche. C'est mort, c'est les phares à droite, là. Non. C'est ultra basique. Moi, il y a un seul truc, en fait, et là, ça a vraiment été on va vraiment faire la différence entre ce clavier-là et le suivant. Sur le fait d'être. Quand tu t'inspires de quelque chose, ici, c'est une guitare, et puis des trucs manga, animé, oui, bah, je sais pas. Entre être très littéral, trop littéral, dans l'inspiration, il y a quelque chose. Donc là, on a un knob de guitare. Moi, je trouve ça plus beau que la plupart des knobs sur beaucoup de claviers. Le layout, on n'aime pas. Ça, on n'aime pas. Et puis, il y a sur le profil, là. Faut que je trouve une meilleure vue du profil. J'ai trouvé ça super intéressant, en fait, cette forme là sur le profil, qui fait écho à une forme, un profil de guitare, en fait. Enfin, pas un profil, mais une vue de dessus d'une guitare. J'ai pas les termes exacts. Moi, j'ai trouvé ça assez subtil. T'as vu la Ouais. finition, elle est quand même bien merdique, quoi. Ah ouais. Ah ouais, là, j'avoue, ça a été gravé au stylo bille, quoi. Et t'as vu l'inspiration? Un peu l'inspiration de tout. Ouais, il y a de la guitare et puis il y a de la Wibri, enfin de Les l'animé. vis, quoi. Oh non. Les vis? Est-ce qu'elles ont Oh. les vis? Ah oui, c'est celui qui a Oh, le les vis nombre de bombées ou pas? vis, quoi. Ah non. Ah oui, bah, ah Bah, oui. les Ah oui, non. Philips? Oui, d'accord. Ça, Oh non, c'est pitié, pour que tu non. passes plus de temps et que tu profites du process de build. Waouh. Oui, c'est clair, faut prendre Ah rendez-vous non. sur Doctissimo là, pour tout visser. Oh Voilà. Bon, non. alors, moi vraiment, je voulais juste rester sur cette idée du profil où il y a une certaine, juste sur cette ligne, je vais la retrouver, sur cette ligne qui fait écho à la guitare. C'est le seul truc vraiment qui m'a vraiment plu sur le clavier. Et donc, on va faire un contraste, on va passer au suivant. Et je pense, certains ont dû le voir passer, parce qu'il a fait un peu de bruit, il a pas mal tourné ce lien-là, sur un autre truc, un autre clavier qui s'inspire d'un objet.
et qui est peut-être un peu trop littéral. Ah oui. Pour le coup, ouais. Le Aperture 75, qui est... alors c'est un interest check, et vous allez voir que les interest checks, ça sert à quelque chose. Voilà, ouais. Donc là, on est clairement... Alors, ça se cache même pas. C'est l'inspi Leica. Alors oui, pour le coup, c'est très littéral, et c'est ce qui a beaucoup été, qui a été répété par la majorité des commentaires. Ça prend une... C'est une inspiration de fou. Il y a quand même un truc qui est cool, c'est qu'apparemment, de ce qu'ils disent, les nobles, là, sont fonctionnels. C'est pas juste... ornemental comme tu peux avoir sur les claviers qui te... Je sais pas, moi ça me fait... Quand je pense au time, le time je sais plus quoi de Fox, qui a des horloges, des engrenages en dessous et tout, ça m'a toujours un peu trigger qu'il y ait rien qui tourne, qu'il y ait rien qui soit fonctionnel ou quoi. Je trouvais ça dommage, et là ils ont fait ce petit effort là. Après, bon, bah ils ont été complètement copiés les Z que t'as au dos des appareils photo. Ouais. Ça, en gros, ce diagramme, c'est pour t'aider... Je suis pas un spécialiste de l'argentique, mais si je dis pas de bêtises, en gros, c'est pour t'aider à compenser. Si tu sais que à 400 ASA, je sais pas, un 1/30 de seconde et une aperture de 8, tu vas avoir une photo bien exposée. Et ça te permet de faire le calcul, mettons, si la lumière baisse dans le jour, enfin, si tu dois changer un paramètre, qu'est-ce que tu dois changer aux autres paramètres pour compenser? Il me semble que c'est ça. Ce diagramme au dos, et ils l'ont copié littéralement derrière. Ils ont mis les petites... Là, franchement, les œillets pour mettre la ceinture, la courroie autour du cou, c'est des trucs en trop. Le hot shoe, ça que t'as où tu passes le... où tu peux mettre ton flash, ils l'ont copié beaucoup trop littéralement aussi. Je sais plus où on le voit, mais on le reverra. Ouais, voilà, il y a plein de trucs. C'est dommage. Ils ont été mettre le truc de la pile en dessous. Vas-y. Tu sais ce que je trouve dommage. Vas-y. C'est qu'on puisse pas prendre une photo avec. Oh, ça aurait été tellement next level. Franchement. Oh putain. Tu vois, ils auraient pu intégrer un truc alors qu'on puisse prendre une photo avec. Ouais. Comme ça. Ouais, mais bon. Alors je trouve ça too much. Tu vois, c'est juste une démonstration. Bah, faut savoir que ça se fait. Bah, t'as vu des petites pièces quand même, faut les deviner, quoi. J'avoue, ils nous ont bien mis des espèces de restes de smartwatch sur le Freya. Ils pourraient nous mettre une webcam dégueulasse dans le clavier, ouais. C'est vrai. Et alors, j'avais surligné un truc. Le prix. Je sais plus. Ils ont annoncé le prix parce que. Je sais plus, bon, mais en gros, plus bas pièces, dans. Hein. Ouais, il y a beaucoup de pièces, mais plus bas, on va voir dans le trade, ils ont reçu, bien lu les commentaires et ils vont. En gros, le design qu'on voit là, ils vont le changer. Ils disent qu'ils ont beaucoup de gens qu'on... Okay. Voilà, je vais scroller un peu. Mais juste, je voulais savoir si toi, t'es capable de décoder ce qu'ils disent. Donc, gasket mount, top mount. Alors, le clavier propose un doux et responsive toucher avec des granules de silicone pour une tactilité améliorée. Est-ce que granules de silicone... Moi, j'ai connu les billes de silicone dans les Switch. Ouais, les granules de silicone. Aussi. J'ai pas compris la ref. Moi non plus. Bon, bah voilà, on est. Voilà, donc c'est screwless. Voilà. On va scroller un peu parce que je voulais. On va terminer. Donc là, encore des rendus. Voilà, donc c'était ça le hot shoe dont je parlais. Je trouvais ça à la rigueur, ça va. C'est pas celui-là où c'est pas celui-là où il repose sur les petits il parle du mount, non, où il y avait des petits bouts de caoutchouc là, c'est pas celui-là. Je sais pas parce que j'ai pas vu, peut-être si quelqu'un le voit dans le trade. Dans l'éclaté gens... vas-y non, est-ce qu'on va voir quelque chose dans l'éclaté? Pas grand chose, hein. Je peux pas l'agrandir, l'éclater, j'ai pas le... Non, voilà, okay. Si. c'est pas celui-là. Pas celui-là. C'est vrai qu'il y a pas je mal de pièces. Je me suis posé la question si c'est pas, tu sais, c'est des petits bouts de caoutchouc. C'est peut-être de ça qu'il parle. Ouais, peut-être. Pas. Et donc là, en gros, il y a eu plein de gens qui ont fait des critiques. Il y a quelques personnes qui aiment beaucoup, qui disent « écoute pas les autres », et puis t'en as beaucoup qui disent que ça va peut-être un peu trop loin dans la transcription littérale de l'objet dont on s'est inspiré. Et donc, ils disent que à l'origine, c'était pas notre intention de répliquer complètement l'apparence du Leica, mais c'est évident que c'est pas l'approche évidente. On va modifier notre design en fonction des commentaires qui ont été
fait, et donc en substance, c'est un peu ce qui est dit dans le reste des réponses. Qu'est-ce que... Ouais, non, ça, je l'avais déjà surligné. Bon, voilà. Ça fait... Voilà, c'était... Je trouvais ça intéressant d'enchaîner ces deux IC, parce qu'on avait deux approches d'inspiration d'objets et assez différentes dans la mise en œuvre. Une qui était vraiment littérale et l'autre un peu moins. Voilà, bon. Qu'est-ce que ça dit dans le chat ? Je suis content de voir que ça existe, tu vois, ce genre de clavier. Ouais. Mais, encore une fois, c'est pas ça qui m'intéresse. Ouais, c'est... Là, c'est assez basique. C'est pas le genre de choses qui m'intéressent parce que, en fait, le gars, il fait une démonstration de design, en fait. Ouais. Mais le clavier, il est où, quoi ? Tu vois ? Ouais. Il dit, ouais, qu'il y a... C'est une expérience de bille, il dit que c'est un gasket mount. Ouais. Ou à tout à l'heure, il fait les deux, mais c'est tout, quoi. Ouais. Tout à l'heure, on a un clavier avec un mount interne breveté qui est à peu près, qui est assez unique, tu vas voir. Mmh. Alors, suivant, on fait un set vite fait. Alors là, pour le coup, le mec, il fait un IC, un interest check. Je sais que t'adores les keysets. Il fait un interest check pour essayer de capter l'attention de PBTFone, tu vois. Parce que souvent, PBTFone, t'as des trucs annoncés... un peu de nulle part, mais c'est déjà validé en interne en prod, et lui, il vient chercher PBTFan. Donc, l'idée, c'est un set doré. C'est un set doré en ABS double shot. Voilà, c'est le truc avec PBTFan, c'est que c'est de l'ABS double shot. Je m'y habitue pas. C'est inspiré des guerriers, machin, qui rentrent dans l'âge d'or. Bon, j'ai pas regardé le film. Les accents sont marrants. Je trouve que c'est intéressant, le choix des couleurs des accents et leur emplacement, c'est bon. Avoir un keyset doré, je dis, écoute, pourquoi pas sur un clavier full brass ou pour se marrer, il y a peut-être des trucs à faire. Il y a beaucoup de réserves qui sont exprimées dans le trade, c'est sous réserve que PBTFan soit intéressé et sous réserve qu'il puisse le faire, parce que on n'a pas encore trop de garanties que PBTFan sont capables de match exactement cette couleur et de rajouter un shimmer, un scintillement dans la résine, ça reste à voir, quoi. Voilà, peut-être que Donald Trump, ça... Ouais, bah j'avoue, ouais, c'est aussi le truc auquel j'ai pensé. J'ai le doré chez GMK, c'est un truc auquel je pensais, mais différent. Mais, ouais. Moi, ça m'a aussi un peu fait penser à Donald Trump ou... Golden Member, s'il y en a qui se souviennent des mauvais... Peut-être du pire Austin Powers de la trilogie de films... Voilà. Voilà. Allez, on enchaîne. 40%, il a l'air sympa. 40 ou 50, 40. Le NTR 40. C'est encore pas mal. Ouais. je connais pas. Le NTR 40. Moi non plus. Je connais pas. Oh, Soon dans la collection. On fait un passage sur Clone 9. Clone 9, parce qu'il va rentrer en GB, je crois. On n'en a jamais parlé. Alors, on fera pas, à chaque fois qu'il y a une mise à jour d'un truc qu'on a déjà couvert, on fera pas forcément un épisode dessus. Mais vu qu'on n'en a jamais parlé, on va l'aborder vite fait. Cloud9, qui est un vrai HHKB au niveau du design. Ouais. Ouais. Ouais, complètement. Hein. C'est complètement assumé. Et ouais, on a la barre ciseaux, la symétrie sur la bottom row au niveau des bloqueurs. Au niveau des courbes, il y a plein de trucs. Et donc, ouais, voilà. Alors, on le verra un petit peu plus bas dans le trade, mais c'est la personne qui a fait le Orbit, qui est un 65%, qui est derrière ça. Et je vais scroller un peu en avance, juste que vous voyez l'Orbit. Là, on l'a, l'Orbit, voilà. Rien à voir avec le pape. Il y en a dont... un en vente sur le market, d'ailleurs. Et voilà, donc moi ce qui me plaît entre guillemets, c'est que le gars il est cohérent au niveau de son design language. C'est-à-dire, quand tu vois, quand même, si on te dit c'est la même personne qui design les deux, il n'y a aucun doute, quoi. Voilà, je trouve ça intéressant. Il a remplacé, alors je confonds toujours lequel et lequel, les filets par des chanfreins entre l'un et l'autre, mais à part ça, c'est quand même très proche. Intérieur lesté, je me demande s'il n'y a pas une histoire où il n'y a pas de bottom aluminium sur ce clavier là. T'as que du copper et ou du stainless steel. Il y a une version EC qui sera proposée, qui devrait être proposée. Il me semble que le Laker, ça a été annulé. Le All Effect, ça a été annulé parce que ça n'intéressait personne.
Écoute, eh ben c'est bien. C'est, et en tout cas, c'est bien de communiquer dessus et de dire pourquoi tu développes pas la feature. Bon, peut-être que les gens qui veulent des claviers comme ça au level, ils s'en foutent de jouer. Parce que les gamers, ils sont encore à une autre étape. Mais pourquoi pas. Voilà, donc ça va bientôt rentrer en GB. Je trouve pas du tout désagréable visuellement. J'ai aucune idée de comment ils sonnent. Il y a sûrement des streamers qui vont en build. Mais voilà, compatibilité ISO, c'est quand bien même sûr. Bizarre hein, que pour le EC. Par rapport à ce qu'on va voir après, c'est quand même bizarre. Hein. Je sais même plus ce qu'on voit après, tu vois, je suis bien mon programme. Oui, le TKL. Le TKL. Où il y a un crowdfunding. Ah ok. Okay. Quoi. Donc, quoi. Je lis qu'un petit peu. Oui, bon, oui, voilà. Tu peux, ouais. Le pseudo TKL, ouais. Donc, ouais, c'est du Tadpole ouais, le mount. Ouais, ouais. Tadpole le mount. J'aime pas alors, trop, moi. Top case alu, et pour le bottom, c'est full brass, copper ou stainless steel. Il n'y a pas de bottom alu, apparemment. Très bon choix. Et la question, c'est une question pour de Lucas pour toi. Est-ce qu'il y a un intérêt de faire 4 petits white au lieu d'un gros dans le bottom? Tu veux que je te dise, Lucas, tu connais la réponse. C'est que 4 petits white, bah, ça fait moins de poids qu'un gros. Donc, inutile pour moi. D'accord. Et fonctionnellement, bah, ça met des vis pour rien, en fait. Bah, ouais. Ouais. Ça fait des pièces à faire quel, en plus. Quel intérêt tu usines plus, tu fais 4 pièces au lieu de faire une seule pièce. Tu c'est perds sûr. Du poids, tu perds du mais c'est son. Beau. C'est plus joli, mais tu le vois pas. Alors, bah, attends, ça me rappelle un Arc 68, un truc comme ça. C'est dégueulasse, quoi. Et alors, dans ce cas, Géon, qu'est-ce qu'on dit de Géon avec ses 6 pièces dans les F1 là? Bah, c'est la même chose. C'est je la vois même pas, chose, ouais. Je vois pas l'intérêt. On les voit pas et je vois pas l'intérêt. Ouais. Lui, par contre, l'intérêt, c'est esthétique. Je pense qu'il peut mettre plusieurs... Alors, l'intérêt, tu peux mettre plusieurs matières, quoi, mais pff, à part ça. Ouais, ouais. Moi, je pense que c'est... On est dans l'esthétique design vraiment visuel, si dans la forme. Si t'as envie de faire graver forme, le quoi. Prénom de ton chien ou le prénom de ta voisine, je sais pas, ça, je comprends, mais... Je sais pas. Ouais. On n'est pas tous réceptifs aux mêmes choses, hein. Non. Mais bon, voilà, c'est cool. Ça, bon, voilà, c'est pour les fans de HHKB, je sais qu'il y en a dans l'assemblée. Ça existe. Et puis, voilà, il y aura un kit EC dans le tas. Donc, GB, Soon TM, avril 2024. 400 balles, version de base. Mais tu vois, ça, le design HHKB, là, j'aime bien. Ouais. Ouais, bah oui. Ah, j'ai toujours bien aimé. J'ai toujours bien aimé. Pour le coup, ouais, c'est propre, hein. C'est propre. Voilà, donc ça c'était la partie Cloud9. Enfin, alors ça je l'ai glissé là. Allez, on fait 30 secondes chrono, juste pour vous dire que ça existe. Ah, coucou Alice. Y'a pas une marble? Non, c'est bon Alice, t'es à l'heure cette semaine. C'est juste pour vous dire que ça existe. Parce que chaque semaine on aime bien parler d'une solution de stockage, de keycap, de switch, machin. Et il y a JTK, je ne sais pas pourquoi ils sortent ça. Ils sortent des espèces de trays pour flex ces keysets. Mais juste le base kit d'un TKL. T'as rien pour le... Les autres caps, tu les laisses dans la boîte en plastique Action ou le truc GMK d'origine. T'as des trucs pour les... Je crois que c'est pour les accrocher à un mur au dos. Ils appellent ça le keyframe. Voilà, ça existe dans plusieurs couleurs. Vous pouvez mettre même une petite étiquette là, j'en sais rien, au niveau de l'aérocluster. Voilà, si ça vous plaît, c'est un clavier mais sur lequel tu ne peux pas taper, tu mets que les touches, pas de switch, rien du tout. Je sais pas, pour s'entraîner au touch typing, je trouve pas. Et puis tu peux même pas ranger ton keyset en fait. Bah oui, c'est t'as quand ça, même le reste, donc je vois pas. Eh, faudrait leur demander s'il y a une compat ISO parce que. voilà. tu pourrais presque débuter ta commande exclusive là-dessus si t'as le chat d'ouvert. Sinon on va basculer sur la minute gamer. Attends, faut que j'entende plus. Culture. Voilà.
Voilà, ça c'est la commande exclusive de Purée ce soir. Alors, tous les liens plaquettes, soit tu viens me les demander après, je te les donne avec joie, soit ils seront dans la description de la VOD YouTube. Voilà, ça arrive ce soir ou demain ou plus tard. Alors, on passe, j'ai vu qu'il y a un nouveau Kikron, en tout cas, moi je le connaissais pas, donc on passe rapidement dessus. C'est présenté comme un gaming keyboard, et c'est un layout... dégueulasse, on peut le dire. Particulier. Il y a deux choses qui m'ont interpellé, il y en a une sur laquelle je vais te poser des questions, parce que du coup, là, c'est pour m'éduquer. Donc le truc que moi j'ai apprécié, c'est qu'il y a un knob à gauche. Parce que je considère que le gamer, il a la main droite sur la souris, la plupart des gamers, et la main gauche sur le clavier, et avoir le knob à gauche, je trouve ça cool d'accès. T'as un interrupteur 3 positions, parce que c'est un clavier tri-mode, et puis un knob. Bon, je trouvais ça cool de l'avoir à gauche, ça c'était le petit commentaire perso. Donc ça c'est le dernier Kikron. Oui, mais qu'est-ce que tu vas en faire comme usage? T'as Mookie. Vu où est-ce qu'il est situé? Il serait au milieu. Je dirais que ça a son sens, tu vois. Pour pouvoir l'utiliser, mais là... Moi, j'ai trouvé un use case des knobs il n'y a pas longtemps. Ouais. J'ai trouvé un use case, parce que, en fait, c'est vraiment chaque... Il y en a qui vont régler le son, quoi, des choses dessus. J'ai enfin trouvé un use case, ça, je ne ferai jamais le son, j'ai enfin trouvé un use case pour les knobs qui pourrait me convaincre un petit peu, c'est de mettre un CTRL Z sur le knob pour remonter dans ton historique... quand tu crées un document ou quoi, pour remonter tes étapes, voilà, un peu crantées, ça peut... C'est un truc auquel j'ai pensé il n'y a pas longtemps, je me suis dit, tiens, il y a peut-être quelque chose à faire. Alors, il a un profil particulier qu'on ne voit pas très bien sur la page. Et alors, tiens, pendant que je fais défiler un peu, j'avais une question pour toi, parce que là, pour le coup, c'est mes limitations techniques. J'ai jamais eu de clavier en tri-mode. Et j'étais sous l'impression que beaucoup de... non, plaquette, l'historique, oh, n'ose pas, le mec, il cherche la merde. J'étais sous l'impression que quand t'avais du tri-mode, c'était très compliqué de proposer du QMK et VIA à côté. Parce que je vois plein de fabricants qui proposent leur propre configurateur. Rien que Monoki, la semaine dernière, on a regardé le Systems dans l'épisode 2, et bah, t'as pas que support QMK VIA à te proposer, parce que là, on a des screenshots VIA après, carrément. C'est une nouveauté de voir du VIA et du sans fil. C'est pas du ZMK ou quoi que ce soit. Moi, de ce que j'ai compris, c'est que alors quand pour régler certaines choses, tu as leur logiciel en fait. Ouais. Et après t'as pour le layout, tu as le VIA QMK. D'accord. Ouais. Donc maintenant, alors à une époque, on dit qu'il y avait pas, une époque c'était le logiciel pour le PCB tri-mode, mais ils offraient aussi l'autre PCB où il y avait pas de, où c'était solder Et comme dit Lucas, si tu veux, Lucas, s'il nous dit qu'il faut être branché en wired, en USB, si tu veux utiliser via, ça fait sens. C'est ça. Donc tu peux pas l'utiliser avec le wireless. Quoi. Ok. Bah, c'est quand même mieux que rien de pouvoir rester dans un environnement familier, même si j'aurais préféré VIA, plutôt que d'être forcé de faire full configurateur et peut-être avoir des limitations du coup pour tout ce qui est macro ou fonctions avancées. Si tu peux flasher des QMK avec certaines fonctions avancées, ça peut être intéressant. Je sais pas si c'est possible ou quoi. QWERTYKEYS qui fait ça sur certains claviers. Ok, merci Lamba, anciennement URX Gaming. Bon voilà, il y a un nouveau Kikron, on va pas s'éterniser dessus, on est la minute gaming, on a déjà fait 30 secondes, on va faire allez, vas-y, c'est parti. Je sais que ça va faire grincer des dents, mais vas-y, il y a quand même un nouveau witching. Je suis quand même bien curieux d'utiliser ce truc-là. Mais... Ouais, bah ouais. Alors, vas-y, on va se faire un peu les features. J'avais noté un truc. On va demander de mode un truc comme ça, allez, sérieusement. Jeudi soir, quand je l'ai vu, le crowdfunding, enfin le pré-order, c'est plus un pré-order qu'un crowdfunding, pardon, il était à 2,8 millions d'euros. Oula. T'as vu, il est à combien là? Putain. Et là, il a pris. Et tu sais que je regardais hier, il était à 2,8 millions. Hein. Ah ouais? Bah, je comprends pas qu'il ait. Ouais, peut-être le truc d'un coup. Peut-être que ça. 13 000 vendus. Enfin, 13 000 personnes qui en ont acheté au moins un.
En quelques jours, parce que jeudi c'était à 2,8 millions déjà, donc c'est bon, ça a dû bien bourrer au début. Voilà, donc ils appellent ça un TKL. Alors, Oui. ça les... il y a une Bon, interprétation, mais pourquoi pas? Techniquement, ça correspond aux critères du TKL. Au début, alors il y a eu tout un drama, je crois. Au début, les flèches, elles n'étaient pas collées pareil. Je crois qu'ils les ont offset horizontalement. Et ils ont dû refaire une partie des moules. Mais ils les ont pas offset verticalement. Ce qui fait que tu as un truc qui est vu de dessus. Moi, j'aime pas du tout ça, ce motif-là. Je sais pas, je trouve ça moche. Mais bon, c'est le truc quand même que tout le monde leur demande depuis les débuts de Wooting, c'est un format TKL, quoi. Alors, 13 000 ils ont. vendus en HE quand même, donc Ouais. Alors, c'est pas qu'ils ont besoin d'un crowdfunding, le coup, c'est dès le début, on va dire, c'est leur modèle de fonctionnement. Ils veulent lancer un nouveau produit, bah, pour s'assurer qu'ils mettent pas la boîte dans le tas, ils font produire à l'échelle des précommandes, quoi. Puis après, ils renouvellent le stock au fur et à mesure, mais bon, c'est safe. Ça reste, entre guillemets, une petite boîte hollandaise Wooting. C'est pas un géant hongkongais ou je sais quoi, comme Razer. C'est pas du tout les mêmes échelles. Donc bon, c'est sûr que le crowdfunding c'est particulier, il y aura plusieurs mois d'attente. 4 ans de garantie, j'avais pas vu, pas mal. Donc on est sur du Laker toujours, c'est les switches Gatron analogiques en Hall Effect avec des aimants à l'intérieur. Bon après il y a toute l'histoire des 8000 Hz. Ouais. On est en train de faire des différences de moins d'une milliseconde entre les claviers. Franchement, passer 1000 Hz, c'est compliqué déjà à mesurer et ensuite à percevoir, c'est encore tout un autre débat. Il y a des trucs marrants. Il y a des petits trucs marrants parce qu'ils essaient de continuer un peu de développer tout l'aspect analogique. Wooting, c'est un peu quand même ceux qui ont relancé l'analogique dans les claviers. Il y a eu l'épisode X-Meet sur Drop là, qui a fait des Hall Effects qui n'ont pas très bien marché. Mais Wooting, ceux qui sont revenus avec ça, au début, c'était de l'optique. Et c'était la merde parce qu'il fallait serrer les plaies d'une certaine manière pour mesurer la hauteur d'une lumière qui se réfléchit dans un capteur. C'était la merde. Ils ont vite abandonné, ils sont passés sur le Hall Effect. Et puis ils essaient de. Parce que c'est plus fiable. Et puis ils essaient de développer des features un peu autour de ça. Alors là, pour le coup, on parlait de use case tout à l'heure sur le knob. Et là, c'est du use case. Faut vraiment avoir le use case pour exploiter ça, quoi. Il y a des trucs marrants. Moi, ça me fait marrer, j'en aurais jamais l'utilité. Tu peux détecter quand la touche commence à change d'orientation. Si elle baissait un peu et que tu commences à remonter, ça détecte tout de suite qu'elle remonte. Et tu peux construire tes inputs dans les jeux autour de ça. Plutôt que d'avoir à passer le point, nous, sur nos Switch MX, c'est à 2 mm en gros la bascule, où la leaf elle fait contact. Si tu repasses pas par ce point, le Switch il verra jamais la différence s'il est activé ou pas. Eux, ils arrivent à changer ça sur toute la hauteur du Switch. C'est pas inintéressant. Et là, ils ont rajouté un des pires noms marketing. Eh bah tiens, on a du brevet là. C'est le rapisnapi, où ils mélangent une perception de la direction de la touche et ils se servent aussi de la touche qui est la plus enfoncée, c'est celle qui va être utilisée pour l'interprétation. T'en as qu'une qui est enregistrée en même temps. Enfin, c'est. Allez Faut voir lire. la vidéo, faut vraiment voir la vidéo, elle est rigolote quand même. C'est vraiment un délire de. Celle de ECS? Ouais, celle de où ils interviewent Ah ouais. les gars là, Vous sur la page. irez voir ça. Il y a plusieurs vidéos sur Elle est la page. intéressante la vidéo, même si ça, il le tourne en truc rigolo quoi, mais Vous irez voir. Wooting.io slash Wooting81HE. Voilà, les deux plus gros use cases pour moi, c'est CS pour le counter-strafing. Je ne savais même plus que ça s'appelait comme ça. C'est quand tu fais des gauche-droite, mais en gros, si tu strafes à droite. Plutôt que de relâcher droite pour t'arrêter, t'appuies un tout petit peu à gauche avant et plutôt que de ralentir et de t'arrêter, si t'appuies un petit peu sur gauche, t'as pas la phase de ralentissement, tu t'arrêtes net. Et quand tu te décales à des coins comme ça pour prendre des lignes de vue sur CS, ça peut être intéressant si t'as envie de pousser ton jeu à ce point-là, mais c'est pas ça qui te fera mieux comprendre ce que fait l'adversaire. Faudra quand même travailler le cerveau. Wooting est toujours faire 3, bah ouais, écoute, hein, on est bon ou pas. Là, tiens, petite pelle à merde sur le 80.
C'est... Alors, c'est... Allez, pas la merde de précision avec un long manche, mais ouais. Il a... Qu'est-ce qu'il a? Donc, c'est du gasket mount plutôt basique. Les stabs en screw-in. Il y a un son, bah, tu t'entends que c'est... Ils ont mis de la foam dans un case en plastique. Même s'il y a... il est dispo avec un case en zinc. Un petit quai sur le zinc. Je sais que c'est... Je crois que tu peux le mouler plus facilement, le zinc. Il y a des cases en zinc, c'est quelque chose comme 300 balles quand tu les prends en zinc. Il n'y a que les Lakers, les Switch Gatron de base. Très bien. Et voilà, et voilà, ils ont fait un délire sur les pieds. Là, pour moi, j'ai un peu de mal. Donc, tu as trois angles. Et il y a un angle de plus que le truc à 1000 balles sur lequel on a commencé. Pour trois fois moins cher. Putain, 10 degrés, quoi. Wow. Et le 10 degrés, il a une forme. J'ai pas compris. Parce que c'est trois pièces différentes. Et voilà. Voilà le 10 degrés. Ok. C'est incompensé. Voilà, c'est bon. Je sais plus en quoi c'est le matière. Il y a une petite barre de LED là pour vous rappeler plein de trucs qu'on voit dans les custom. Ça peut plaire à certaines personnes, pourquoi pas. En caps, pour ça, je trouve ça dommage qu'ils fassent encore de l'ABS UV print. Ils devraient rester sur le die sub. Alors, ils ont du PBT die sub et du PBT double shot. Je sais pas pourquoi ils gardent l'ABS au catalogue parce que ça va faire gagner 10 balles sur la facture. C'est dommage. Là, vous voyez toutes les épaisseurs de foam. PET, ouais, il y a un tape mode en PET. PET, c'est le plastique des bouteilles, je crois. Mmh. Des bouteilles plastiques. EPDM, je ne sais pas ce que c'est. C'est ce qu'on utilisait comme mousse pour amortir. C'est un peu comme du poron ou de l'EVA. Non, c'est plus dense et ça absorbe vraiment le choc. D'accord. Ok. Pourquoi pas. Voilà, c'est à peu près tout. Là, j'ai rien relevé d'autre. Le logiciel propriétaire, c'est inévitable. Il y a une version en transparente aussi. Je suis sûr qu'elle va bien marcher, cette version. Bon, tout ça, on en a parlé un peu. Tout ça, on va pas s'arrêter. Et puis, bon, voilà. Ça existe. C'est en pré-vente. Là, vous avez des prix en euros qui, il me semble, sont TTC. Est-ce que j'ai vu là, c'est qu'on a 4 ans de garantie. Bon, tant mieux pour eux. C'est cool de le proposer. Sur un clavier, c'est il n'y a pas beaucoup de claviers qui me proposent ça. C'est correct, et 200, puis voilà. Comment? Pour la Presta, ouais. 219, alors, c'est correct. Ce qui est marrant, c'est que ouais, c'est 219 complet avec le case plastique et... Ouais, limite, t'as moins de différence que pour le 60%. C'est quand même 175€ si tu le prends sans le case. Alors... Pour le 60%, ça faisait sens de le proposer sans le case parce qu'ils avaient une compatibilité Tri-Mount, truc que t'es pas con. Mmh. Mais là-dessus, pourquoi tu le prends sans case? C'est parce que tu t'achètes plusieurs cases après, ou t'upgrades ton case après, parce que là, pour le coup, c'est vraiment un format propriétaire de mount, de layout. Tu vas pas pouvoir le mettre, il n'y a pas un tofu qui correspond à ça, quoi. Attends, peut-être que plus tard, ils vont proposer. Ouais, ouais, je pense qu'ils vont proposer les cases séparément en accessoires. Là, ouais, là c'est pas innocent. Allez, y penser. Écoute, au moins il y a le choix. Avoir un peu plus de choix, ouais. C'est pas. Bah non, je pense pas qu'il y ait de case compatible à part leur propre. Et bon. Après, c'est vrai que ça peut être intéressant si t'achètes, tu pars, t'es un peu serré. Le gamer, en général, n'est pas très riche parce qu'il a dépensé tout son argent dans les skins CSGO ou League of Legends. Donc s'il est un peu limite, qu'il a pris que la version case plastique, mais que 6 mois plus tard, il a acheté moins de pizza et qui décide de s'acheter le case en PC ou en zinc, ça peut être pas déconnant, mais bon, ouais, ou tout dans la CG, ouais, c'est un peu ça. Vu le layout, c'est vraiment spécial. Quoi. Voilà, putain, je vois l'heure qui passe. Donc là, on a fait la minute gamer. Alors, il y avait un autre thème cette semaine, donc, et c'est la transition parfaite. Vous avez vu qu'il y avait il y a un endroit où ça parle de brevets sur cette page, je sais plus où. J'ai vu qu'il y avait un brevet sur quelque snappy, chose. Là. Ouais, Rapi Snappy. Ouais. Voilà, pas de pending. Il y a un brevet qui est en cours de dépôt. Eh ben, ça tombe bien, on va parler un peu des brevets. Parce que pour le coup, il y en a plusieurs. Alors, ça, je suis tombé ça sur Keep Talk. Il faudrait que je passe un peu plus de temps sur ce forum. Je ne l'avais pas vu ailleurs. Mais alors là, on parlait de... Alors, tu disais tout à l'heure que tu t'intéressais à la conception interne des claviers un peu. Mmh. Et là, on est sur un truc. Je peux l'avoir en plus grand. Ouais. On dirait un capsule. Alors ouais, mais alors, tu vas me dire si ça existait déjà, leur approche. Attends, faut que je trouve de meilleures images. Voilà, là, on le voit un peu mieux. Le truc, le PCB se rentre, se slide par l'arrière, se glisse par l'arrière du clavier. Ouais, j'ai déjà vu ça.
déjà vu, je ne suis plus sur quel clavier, j'ai vu ça. Oh, ça n'a pas fait. Ça a pas fait ouais. C'était au début des claviers custom, il y avait un clavier comme ça, on le slidait à l'intérieur. Comme ça, ouais. Et ben là, les mecs posent un brevet là-dessus, si j'ai bien compris. D'accord. Il y a un étage pour. Il y a un truc pour plaquette aussi dans le tas. Regarde plaquette. Attends, elle est où l'image? Elle est là. Eux, ils ont fait un hub USB, comme t'aimes bien, et un lecteur de carte SD dans le clavier. Waouh! Waouh! Un clavier, les plaquettes, OMG, waouh! Il est dégoûté, plaquette, là, il s'est dit merde. Oh, et mon flingue et mon innovation. Je voulais faire ça sur le toupie. Ça y est, son ingénieur va avoir mal à la tête ce soir. voilà. T'as vu, mec, t'as vu, ils l'ont fait, voilà. T'as vu. $159. J'étais même pas allé sur cette page. Il y a une vidéo, là. Ouais. Ah, si, j'avais vu des boots, ça. J'avais peut-être trouvé sur Zfrontier. Il y a un build quelque part. On voit l'assemblement. C'est intéressant, parce que pour le coup, t'as vraiment pas beaucoup de vis. Après, le son, la qualité, l'esthétique... à vous de juger. Là, on est vraiment sur le personnel. L'approche a le mérite d'être relativement innovante comparé à ce qui se fait en ce moment. Voilà, bon, j'ai Belly Matrix qui s'est ouvert. Merci Lambor, vous irez voir. On verra si on en parle ou pas ce soir. Je ne l'avais pas prévu. Ça me rappelle quoi, ça, ce système-là? Vas-y. Les anciens autoradios. Ouais. Les anciennes cartes, là, tu sais, tu les insères comme ça, tu vois. Moi, c'était mon ampli casque DIY que j'avais assemblé un O2, un ampli où t'achètes les PCB DIY et tu les glisses dans une boîte générique un peu. Ouais. Je suis habitué à ces trucs de prototypage. C'est les anciens trucs où tu faisais ton PCB et tu le mettais à l'intérieur. Ouais. Alors vas-y, on est dans l'histoire des brevets. Je vous montre un autre truc où il y a des histoires de brevets. Ça on l'a vu, on le ferme. Translate English. Alors voilà, ça au début je suis tombé sur ce, on va dire ce qui est un peu un gadget. C'est TX qui nous sortent un support FR4 pour monter et tester ses stabs. Pourquoi pas, c'est pas la première fois qu'on voit ça. Mais là t'as du hot swap sur un truc en FR4, tu dis oula. Et puis eux, la partie, il me semble, qui est concernée par les brevets, c'est ces petits bitonios en plastique là. Bitonio, c'est le terme scientifique. Ouais. 5 mm. Les trucs que tu clipses dans le FR4 et qui te donnent une rigidité un peu comme une plate. En tout cas, au niveau tu fixes le switch, même si au ressenti, je suis sûr que c'est pas la même chose. Et puis là, j'imagine que ça, c'est un brevet, une sorte de brevet. Et attends, il me semble qu'ils ont le patent. Il y a d'autres trucs de patent là. Ils ont le patent en Chine et le coréen il est en cours de dépôt. Mais j'ai pas compris moi c'est pour faire quoi ce genre de choses, tu vois. J'ai jamais rien compris. C'est pour tester une des stabs avant de les mettre dans le clavier pour comparer. Tu fais sur ton PCB. Ça prend moins de place, t'as peut-être un petit bureau. Mais la partie la plus intéressante, c'est deux étapes en plus. La partie la plus intéressante, ça reste ces espèces de clips en plastique. Oui. Ça fait un coup, tu peux te faire des builds FR4 en plateless, ne serait-ce que pour aligner. Ouais. Je sais pas, peut-être que ça peut aider à l'alignement du switch pour pas avoir utilisé des cales ou quoi, ou des trucs pour se guider. Ça peut être intéressant ce truc-là. C'est la partie la plus intéressante. Et il y a, attends, j'ai une image quelque part. Ouais. J'ai une image quelque part. On la voit sur un clavier complet. Alors, je sais plus où j'avais pioché ça. Mais j'ai déjà vu hein, ça. Ouais. Moi je découvre. Voilà. J'avais vu des foams individuels comme ça chez des fans. Alors, tu ne vas pas aller sur. Tu vas pas trop. Tu dois pas aller trop souvent sur Bilibili. Tu sais le truc. Bilibili. C'est j'ai essayé de faire un compte l'autre fois pour pouvoir voir les vidéos en plus que 360p. J'ai pleuré. Je crois que j'ai pas fini hein, parce qu'il faut faire du WeChat ou du QQ. Mais moi je passe ma vie là-dessus quoi. Ouais. Ah bah dès que oui, t'as ouvert, tu t'arrêtes plus, c'est un truc de fou. Ah là, je commence à peine vraiment à farmer Zfrontier. Alors Bilibili, c'est l'étape suivante. C'est super marrant, ouais. Eux, c'est les commentaires sur Bilibili qui sont marrants. T'as les commentaires qui défilent horizontalement par-dessus la vidéo. Blivion, faut pas que j'oublie, ça m'intéresse ton histoire. Mais voilà, là vous voyez ce que ça peut rendre sur un PCB, et beaucoup font un PCB qui a été design pour ça, quoi.
Si tu as des crochets pour t'accrocher au PCB, voilà, c'est... tu pourras pas mettre ça sur n'importe quel PCB. Et voilà, ça existe. À tester, franchement, voilà. C'est pas... Je suis pas emballé, mais je suis pas réfractaire à ce genre de truc. À tester. Et il me reste un dernier truc qui a vraiment un brevet déposé, et je pense qu'on a Lucas dans le chat, pour le coup, c'est vraiment pour Lucas. Il y a Tayao qui, se... qui nous sort un profil, un low, des caps low profil. Et qui sont, c'est écrit quelque part, c'est patented. C'est breveté. Il y a des histoires de choc, de MX, donc on a une double compacte au niveau du stem en interne. Là, vous avez les dimensions, c'est fait à Taïwan, c'est du Taïao. Bon, voilà, ça a le mérite d'exister, comme je le dis très souvent. Ils ont différentes phases de prévues au niveau des compacts ou des matériaux. Là, je vois qu'il y a du translucent. Oui, c'est vrai que ça m'a beaucoup fait penser à du MBK. Et voilà, patented. Backlit keycap, la version, bon voilà. C'est marrant, tous ces Asiatiques qui se mettent à poser des brevets. Faudrait qu'un jour qu'on reparle de l'époque où Cherry a perdu le brevet sur les Cherry MX quand il a expiré, parce que moi ça m'a fait marrer de voir d'un seul coup tous ces brevets arriver, surtout venus d'Asie. Quoi. Voilà, voilà. Allez. Est-ce qu'il y a des commentaires là-dessus ? Bilibili. Reste qu'un compte Bilibili sur la K-pop, ouais, ok, super. Je suis sûr que c'est pour ça que tu y es aussi, en fait, purée. Non, du tout. Hein, à vous. Non, du tout. À vous. Et alors, je finis sur l'histoire des trucs, des brevets et du Hall Effect. Juste, alors là, vous irez, je vais vous lire un peu les notes que j'ai prises parce que c'est que du texte. C'est que du texte, c'est un PCB Hall Effect. Et là, pour le coup, les mecs cherchent à innover mais ne mettent pas de brevet. C'est là que... C'est juste qu'il y a des features dedans qui m'ont un peu interpellé. Donc, j'ai l'impression qu'il y a un début où les PCB HE non-wooting commencent à chercher un peu la surenchère des features. Et beaucoup de ces features qui ne sont pas forcément pertinentes, mais bon, elles existent. Donc, chez wooting, il me semble que la précision, elle est à 0,1 mm. Eux, s'il y a du 0,01 mm... On est du dixième au centième de millimètre, je m'en fous. Ce qu'ils ont, il y a un truc qui par contre est intéressant, c'est que eux ils parlent de leur système de calibration. Je vais scroller un peu, mais il faut que je regarde mes notes en même temps. Leur système de calibration, t'as une calibration qui se fait après que t'aies changé le moindre truc en interne ou quoi, tu peux lancer une calibration. T'as une calibration qui peut se faire en manuel. Ouais, deux calibrations manuelles. Et t'en as une automatique au fur et à mesure que l'utilise. Que tu utilises le truc. Parce que, bon, voilà, c'est pour mesurer les profondeurs des aimants. Pourquoi t'as des calibrations, Custom, allez-vous me demander. C'est parce qu'ils sont en train de prévoir un truc, c'est que le HE se développe petit à petit, et t'as des switches HE, t'en as un peu des nouveaux qui commencent à arriver. Sauf qu'en interne, c'est pas standardisé le HE, ils ont pas tous forcément le même champ magnétique, ou la même course de switch, la distance que le stem traverse, voyage. Et donc, ça peut être la merde à capter et à interpréter pour le clavier, toute la partie logique. Et donc, les gars ont un délire où tu peux calibrer et même avoir différentes courses sur ton clavier, si t'en as envie. Et tu peux vraiment avoir des profils pour tel switch dans ton software du PCB. Pour exploiter ça, voilà, des profils. Bon, moi, je trouve ça intéressant de voir qu'il y a un développement technique qui se fait sur le HE, que ça se développe petit à petit. Il n'y a pas de zone morte, ce qui a été le cas sur certains HE chinois moyen-moyen. Tu avais une partie, en gros, où tu appuyais sur le switch et il ne se passait rien, peu importe tes réglages. Donc, ouais, les mecs développent des algorithmes pour exploiter certains switches mieux que d'autres. Je trouve ça bien que ça se développe comme ça. Ah oui, il y avait un autre truc un peu bizarre. Est-ce que je l'avais dans les images au-dessus ? Je voulais vous montrer ça, là. Les mecs ont eu une idée. Ils sont allés mettre des vis au niveau du cluster WASD, ou ZQSD, pour les francophones, pour renforcer le flex, machin. Ils se sont dit, tiens, vas-y, feature gamer, vas-y, on met des vis là pour que ce cluster ne bouge pas du tout. Alors, c'est en train d'aboyer dans le chat, je sais pas ce qui se passe. Mais voilà.
Et ça, il n'y a pas de brevet là-dessus. Ça cherche à innover, mais ça ne brevette pas. Donc, merci l'Asie. Donc, on parlait gaming. On va rester un peu dans le gaming, mais pas dans les brevets. J'ai pas demandé si tu avais un commentaire sur le HE purée, mais je pense que c'est pas ce qui t'excite le plus. Non, mais le HE qu'on connaît par le wooding, bah, il y a une grosse polémique sur le wooding, c'est tu aimes ou tu aimes pas. Moi, je suis pas contraire. Le seul Ah, ils reproche ont. que je peux lui donner, c'est qu'il est un petit peu bruyant, mais sinon, Bon, voilà vous quoi. voyez, même purée, il Ça reste tolère. un très bon clavier. Non, franchement, moi j'aime un T'as peu vu? tout, donc ouais. T'as vu là, ils ont des espèces de soudure en plus et une histoire de stabilité des vis quand c'est un peu loose. Enfin, ça, j'ai pas tout compris à Bah, en cet fait, épisode-là. quand tu vises dessus, ça vise Ça sur grippe. l'étain et ça retient un petit peu, quoi. Ouais, Ça ça grippe grippe. un petit peu, ça. Et t'as déjà vu ça? Bah, tu T'as en déjà as vu sur d'autres PCB ce truc-là? sur les PCB, ouais, il y en a. Dans là où Ah tu ouais. vises les PCB, J'ai y en jamais a vu ce certains motif. qui ont cette partie-là. D'accord, ok. Et le prix, alors je sais plus, c'était autour de 125 euros. C'est quand même pas donné pour pour juste, il me semble, plate et PCB. 999 yuan en stock. Voilà. Ah, t'as peut-être des switches avec. Donc en fait, non, c'est comparé aux 180 balles ou 160 balles du PCB 60% du booting, à prendre en considération. Voilà, on restait dans le jeu vidéo. Oui, pardon. Je voulais te poser la question, comme ils font des calibrations, donc ils espèrent que il va y avoir d'autres fabricants de où ils ont leur propre menu de Switch. Bah, je pense qu'ils cherchent à se positionner pour que d'autres manus se développent, n'aient pas peur et proposer une solution, quoi. Parce qu'on Ouais, mais a ça va être la déjà. jungle, tu t'en rends compte? Bah oui, ah Ça bah va être qu'on un veut pas. HE standard Gateron, HE Ah là c'est le standard Far West le je HE. sais Hein. pas quoi. Oh putain, quoi, Parce que ça va être déjà, la. Ça va Gateron, être. t'as des trucs qui sont en. T'as les Lakers chez Wooting, mais t'as d'autres Ouais. Gateron HE qui sont pas distribués par Wooting, donc t'es à moitié sûr si les Lavender qu'on a vu, je sais plus, la semaine dernière ou il y a 2 semaines, c'est en train de devenir le Far West. Pour ça que je suis un petit peu pour voir comment ça évolue. Putain. Mais eux te De ce que j'ai proposent compris d'avoir des quand tu as profils pour expliqué tel ou tel le. switch, Ouais. c'est cool. Ouais. Ça Ouais, permet bah. de. Ouais, j'attends de voir. Je suis moins fan si on doit courir 50 000 trucs pour que ça soit compatible. Alors, on était Ça dans le devient jeu vite chiant. vidéo. Pardon. Jeu vidéo. Alors, bon, vous allez me dire, Ah. c'est un set Mario. Ah. Tout ce qu'il y a de plus basique. Voilà. Jeu vidéo, c'est exactement ça en fait. C'est du PBT. Pourquoi je le monte? Bah, c'est parce qu'on a pas mal parlé de Nintendo qui aimait pas trop qu'on aille chercher leur propriété intellectuelle. J'ai pas vu l'info que c'était un partenariat ou quoi que ce soit. Donc il y a moyen que ça se fasse strike, ce truc-là. Mais alors voilà, si Nintendo voit ça, je crois qu'ils vont dire, eh oh, tu sais non. Moi, ce qui m'a le plus intéressé sur ce. Voilà, on y arrive. Sur cette page, c'est ça, là. Pour bien comprendre, le PBT, le DICEHUB 5 panel. Les problématiques sur lesquelles tu fais face. Parce que le DICEHUB 5 panel, en gros, tu as tes switches sur un plateau, ils sont calés. Tu appliques une feuille où tout le keyset est imprimé. Tu presses, tu chauffes, et voilà, ça reste dans le plastique. Ça sublime. L'encre est sublimée dans le plastique. Et tu vois là, clairement, je trouvais ça cool, les touches en brique où tu vois la courbe de la feuille qui vient être poussée, serrée contre les caps. Et du coup, ça fait que tu as des grosses courbes comme ça. Et c'est pour ça que ça peut être la merde, les Front Legend sur le 5 Panel DICEHUB. Et tu vois aussi un autre gros défaut qu'on voit régulièrement sur des. Je crois que c'est Creative qui avait des gros problèmes avec ça, au niveau Ouais. des scoops. Non, Parce qu'on des voit pas. barres, et bah t'as des petites zones de blanc parce que le film il est étiré et au point de blanchir et de pas avoir toute sa couleur quoi. Voilà, c'était surtout pour ça que je voulais vous montrer cette page, parce que pour le coup c'est une bonne illustration des problématiques que tu peux avoir à créer des caps en DICEHUB PBT. Ah, je l'ai pas mis dans la liste, mais il y a un nouvel acteur en Europe qui est apparu là, c'est sur Reddit. C'est Talk Factory, je crois, un mec en Allemagne qui va proposer du DICEHUB PBT
imprimé en Allemagne, 5 panels ou quoi. J'ai envoyé un mail pour une petite prise de contact et voir un peu ce qu'il en est. Mais ouais, il y a un trade sur Reddit, sur RMK, c'est genre j'ai dépensé 10 000 dollars pour faire mes caps. Et il lance son entreprise. J'attends de voir, c'est un peu le même délire que Yuzu de chez nous. Ça me paraît peu, non, 10 000 dollars. Moi aussi, ça me paraît peu. Après, si c'est le prix de l'imprimante, bon. Je sais pas comment ils procèdent. C'est pour ça que j'ai eu petit premier contact, mais on verra. Je vous dirai quand j'en saurai plus. Alors voilà, on restait un peu sur les histoires Nintendo. Faut pas que là, ma fille voie ça. Ah ouais, elle joue à Splatoon. Elle joue à Splatoon, ouais. Ah bah voilà. Donc il y a un disclaimer quelque part dans le topic. Tu vois, c'est marrant, qui est assez marrant. Donc, qui c'est de Splatoon, qu'on peut pas zoomer, si on peut zoomer un peu. Bon, faut être fan. C'est quoi ouais. C'est pas du, c'est du DSA, du HSA, du... C'est quoi le profil? Cam. Bon. Créatif, donc. Thématique Splatoon. Bon, si ça vous plaît. Pourquoi pas. Il y a un disclaimer. Il y a du Deathmatch. Et là, j'avais surligné ça. Alors, ces designs, bien que ces designs ont été inspirés par des jeux vidéo populaires, oh oui, ce sont les designs sont la seule création indépendante de l'artiste. En gros, c'est moi qui les fais, il dit. Et ils sont pas du tout affiliés, sponsorés ou associés ou créés en collaboration avec les compagnies de jeux vidéo ou de studios. Ouais, mais bon, peut-être c'est limite. Hein. C'est limite. Tu as mis en barré là en bas avec son lawyer. J'ai dû financer les frais d'avocat moi-même. Non, d'une certaine manière. Ah oui, là. Alors tous les rendus sont faits par moi-même. Alors excusez les excusez mes rendus bof parce que j'ai dû financer les. J'avais plus d'argent, j'ai dû pour financer l'avocat, un truc comme ça. Voilà. Bon, c'est un IC. Il y a plein de gens qui jouent à Splatoon. Ah oui. Mais il n'y a pas tant de réponses que ça. Bon. C'est un profil qui plaît pas à tout le monde non plus. Donc il se tire presque une balle dans le pied s'il cherche à tout prix à taper le MOQ. Mais bon. Tiens, c'est marrant les petites taches sur les touches là. Voilà. C'était la fin de la minute Nintendo. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, je crois que le prochain truc, il est cursed. Qu'est-ce que c'est? Je crois que c'est le keyset violet. Ouais. Juste. Je voulais juste vous montrer parce que j'ai détesté. combien de rush? Ah, il y en a un petit paquet. Déjà, tu vois là, je crois que ça, c'est les vues. Et ça, c'est les likes. Il me semble que c'est ça. Parce que, ou alors, c'est des reposts. C'est bizarre l'icône, mais j'ai l'impression que c'était les vues. Je crois que c'est le reply en 1017. Oh, c'est pas possible qu'il y ait 1000 réponses. moi, en tout cas, ce qui m'a dérangé, ouais, c'est les légendes. Il y a un côté lyrique. L'inspiration, je la juge pas. Mais je pense qu'on est peut-être dans un cas où je serais incapable de prétendre faire un design de caractère asiatique. Peu importe lesquels. En tout cas, les alphabets avec lesquels je suis pas familier, que j'utilise pas quotidiennement. Et bon, là, on comprend rien, mais tiens, là, on va peut-être mieux voir. Non, si. Il y a plein de lettres. Ouais, non, c'est flou. Il y a plein de lettres où ils sont venus rajouter des lignes pour doubler, en fait. Le souci, c'est que tu as l'impression de voir flou. Et ça flingue la lisibilité des lettres. Et ouais, pour moi, il y a une grosse. Pour moi, c'est pas juste une question de goût, c'est on est dans l'erreur typographique. Voilà, on voit un peu mieux, là. C'est un peu Bagdad au niveau des légendes. Comment c'est pas cohérent d'une lettre à l'autre où il double ou il rajoute des lignes. Ça m'a trigger. Voilà, c'est juste pour vous montrer. Après, le fait qu'il rajoute des petits éléments fleuris ou de sorcellerie ou j'en sais rien, ça me dérange pas du tout. C'est vraiment du goût. Mais au niveau de la typo, c'est là où on voit parfois voir les limites culturelles. Hein, c'est un peu une autre culture en soi. Hein. J'ai perdu mon purée. Bon. Non, non, pas de réponse. Regardez le truc. C'est un peu une autre culture. Sans la perche, mais non, ça.
Ça veut pas. C'est notre culture. Ah. Voilà. Voilà. Ça existe. Je vais même pas scroller tout en bas. Tiens, on voulait voir les rushs. Vas-y, on va quand même aller voir en bas. Mais tu as vu le layout ? Non, j'ai même pas fait gaffe tellement j'étais choqué par le reste. C'est n'importe quoi. Là. Ah, alors. Layout. Full size. ISO. Ouais. Il manque des trucs. Mais tu reconnais pas les caractères, quoi. Ouais, un gros problème de lisibilité. C'est... Mais ça, je suis convaincu que c'est parce qu'ils connaissent pas forcément bien nos alphabets. Il y a une création qui est pas... Il y a du boulot, hein. Il y a du boulot, c'est indéniable. Mais 124 likes, et ça dit... Quand je survole, ça dit rien. Ouais, je sais pas si c'est les vues ou les réponses. C'est pas les réponses, là, ou les forwards, là, les... Ouais, peut-être des repostes, ou j'en sais rien. Oh, regarde. Je sais pas combien il y a de réponses. Il y en a bien... Regarde, il y a que des rushs, hein. Il y a beaucoup de rush. Je suis désolé, hein. Mais... C'est notre culture. Je suis désolé, mais... Witch Talk, ah, j'ai pas la ref. Tiens. Ellie. Ouais, il y a quand même beaucoup de réponses. Bon, je vais pas toutes les faire, mais ça se trouve, c'est ça. Putain, s'il y a 1000 réponses. Wow. C'est comme le set. C'est comme le set Jurassic Park Monster Energy de l'autre fois, là. Un peu toxique, là. On comprenait pas le nombre de réponses. Ouais. Bon, bah, ça doit être ça. Ça doit bien être les réponses. Ça me paraissait trop grand pour être ça, mais c'est ça. Bah, ça fait 4 jours, Ryan. Ouais. Bon. Voilà. Drinker, c'est fait. Oh, on avance. Alors, bon, ça, c'est vite fait. C'est... Je connais ton amour pour les métaux précieux. Alors, je t'ai sorti du titane. C'est où qu'on achète? Je déteste tellement achète, ce truc. Franchement, des c'est où qu'on achète câbles. Ce truc-là, quoi. Bah, tu vas sur The Frontier. Mais franchement, je suis client, ça. Ah ouais, putain la vache. Je suis d'accord avec toi, Oblivion. Bye bye bye, hein, ça. Ouais. Je suis client. Ils ont quand même été. Problème. Regarde, c'est marrant. Moi, ça m'a fait marrer. Ils ont quand même été copiés. Je l'ai pas vu au début. La barre de quand t'as deux connecteurs LEMO là, près du clavier. En fait, elle se sépare pas. C'est une barre avec deux diffuseurs RGB dans le truc et puis un dégradé dans le finish. Ça m'a fait marrer. T'as une barre quoi, qui sert juste à, je sais pas, à lester et à faire de la lumière. Bon. Oh, il y a d'autres trucs dans le paquet. Ils ont des trucs pour bloquer le clavier, un poids pour le lest, pour bloquer le câble, pas le clavier, le câble, sur le bureau. Ouais. C'est pas déconnant. Est-ce qu'on aime les masques de pharaon jaune et violet? Ça existait déjà, ça, tu sais, pour les souris. Les câbles de souris, c'est ça, ouais. Oui, et il y avait un truc que je voulais m'acheter, qui était en usiné dans un rond de métal avec juste un couvercle. J'ai jamais chopé, mais ouais, c'était un des meilleurs mouse bungee qui soit, qui était peu populaire. Alors, je sais pas pourquoi, avec, il te propose un POG dans une boîte de pièces collector. Là. Il y a plein de petits accents, là, c'est... Bon. C'est encore une histoire de... C'est une autre culture, quoi. Pourquoi on dirait vraiment les packaging collector de pièces commémoratives, truc dans lequel ils proposent ça. Si vous aimez l'Egypte, l'archéologie ou Stargate, pourquoi pas. Ah bah c'est couplé avec un Wooting, ça c'est le... Ouais, c'est... Oui, ok. Ouais, c'est le keyset Wooting, ouais. Ouais. Et puis le 60HE avec la super sangle pour taper ton voisin en LAN. Bah voilà, là on voit le lest in situ. Ouais, je suis un peu d'accord avec l'embord, je voudrais voir avec d'autres styles. Non, mais je pense que honnêtement, rien que la barre, là, la barre RGB, là, pour moi, c'est non. Je suis sûr que ma fille, ouais. elle demande quand est-ce que j'ai un câble c'est comme ça. C'est sûr. C'est sûr, il y a des gens à qui ça va plaire. Alors là, ça m'a fait marrer quand même, le coût du câble, j'ai pas vu le prix. Le câble qui doit coûter 100 balles, facile, titanium peut-être même beaucoup plus. Et puis là, il est enroulé à l'arrache sur le bureau pour mettre sur un hub. Là, je trouve ça dégueulasse. Le clavier, il a gardé son en Chine. Et tu vois, là ouais. c'est ah ouais une différence de culture. Ça, les câbles tressés comme ça fait un moment qu'on en voit en Chine. Et on n'en voit pas en Europe. C'est en train d'arriver petit à petit chez nous, mais ouais. Bah, tu sais, j'ai un Matrix, un PJF. Il a 6 ans.
Ça existait déjà. D'accord. Ça existait déjà, donc je... Eh ben, 1200 réponses. Et je crois que dans l'audio, ils font ça. Bah, ça m'étonne pas. Moi, je suis tout à fait d'accord. Une espèce de vrai stress, là. Le vrai stress titane avec les badges. T'as une... le câble arrive dans une valise métallisée, quand même. C'est... Ouais, c'est une autre culture. Ils sont en avance sur nous. Et les mots en Chine arrivent déjà dans une boîte. Donc, Ah ouais. Et donc, ouais, t'as un password pour accéder à un shop Taobao. Sur la page, là. PC version. Ouais, bon. Taobao, c'est encore un autre sport. Voilà. Ça, c'était... je savais que je te ferais plaisir avec ça. Ah, franchement, tout à fait. Et tu as vu, il y avait le Matrix aussi qui a sorti des lests à 900 balles, je crois, en titane. Ah oui, oui. Ben, j'en ai parlé... Bah, j'en ai parlé avec Sylphur, je sais pas si je l'ai pas vu dans le chat, il doit pas nous regarder, mais oui. On a fait un micro meetup à Saint-Brieuc hier. Ah oui, d'accord. Et on a parlé de ça. Et d'ailleurs, je dédicace cette émission au réveil de Tarty. S'il nous regarde un jour, il comprendra pourquoi. Voilà, ça c'était encore dans les histoires de ces une autre culture. Pour le coup, c'est chinois, fuck. C'est le clavier à moitié nouvel an ou tradition chinoise. Et lui, pourtant, lui, il n'a pas cartonné au niveau des likes et des replies. Comme quoi, tu as vu l'inspiration ? Bah, c'est la tradition chinoise. Non, le clavier, tu as vu l'inspiration là, comme ça ? C'est le Time 80. Time 80. Ah, le côté comme ça. Ah ouais. J'avais oublié qu'il était... Quand je pense au time, en fait, je pense au dessous, mais je pense pas au côté. Non, le dessous. Le dessous ? Attends, qu'est-ce qu'il en dessous ? Toi, tu vois du time là-dessous parce qu'il y a un truc rond... Un time 80, oui. Bah, c'est exactement dessous. Ça, en fait, c'est le même motif. Il a des trucs comme ça sur les côtés, à gauche et à droite du rond, le time 80 ? Vas-y, on regarde. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Ah, le reforge, là. Ouais. Ah oui. Ok, j'avais oublié tous ces accents en plus. C'est un des premiers claviers custom que j'ai détesté, le time, mais... Ah oui. Ok, je vois. Les engrenages... Bah ils n'ont pas été, ça, ouais. Ils n'ont pas été jusqu'au bout, c'est dommage. Il fallait faire comme le Evolver, je sais pas, le truc Leica tout à l'heure, avoir les knobs fonctionnels. Là, il fallait mettre un mécanisme d'horloge à 5 balles à l'intérieur. Ça aurait été pourquoi pas. Comme ça, tu le retournes, tu le mets sur l'étagère, il te donne l'heure. Enfin, un clavier d'étagère qui tire à quelque chose. Je suis sûr que c'était pas très difficile à implémenter, il y a de la place. Ah, en plus, c'est fin, on sait le mettre dans des montres, ça doit pas être très épais. T'as vu des jolis PCB. Hein. Ouais. Oui. Ah, pour le coup, les pistes rouges et le fond noir... Ça rend bien. Ça me rappelle Mister Sweet. Ouais. Bien vu. Voilà, donc c'est un update. Je crois qu'il y a d'autres trades où il a peut-être fait plus de likes ou je sais plus. Je crois que c'était un update du projet. Donc du coup, les mecs, ils se sont dit, j'avais lu un peu, tiens, on fait notre clavier, c'est cool, on le développe. Et puis ils se sont dit au bout d'un moment, oh bah tiens, il n'y a pas de keyset qui correspond à notre clavier. Du coup, on développe un keyset en plus. Bon, voilà. Si vous avez envie de faire un truc chinois, allez voir ça. Je vous remettrai le lien dans la VOD. Voilà, c'est une autre culture. Alors, tiens. Ah putain, ça, j'aurais dû le mettre dans la catégorie brevet. J'avais oublié ça. Parce que je crois qu'il y a une histoire de brevet aussi là-dessus. Hop. Les nouveaux stabs. Alors, les stabs, en général, je ne ferai pas un passage sur les stabs ordinairement parce que il n'y a pas vraiment matière. Mais là, pour le coup, il y a une nouveauté. Et nouveauté, on le voit un peu là. Ils existent en tout noir, mais sur la version en couleur, on le voit un peu mieux. On a des inserts silicone, aussi bien dans le stem que au niveau du clip du wire dans le stab, pour essayer de gommer tout ce qui est bruit, rattle, réduire tout ça, et moins dépendre du lube. Voilà, vous voyez comment ça se clipse là. Il y a des versions toutes noires, il me semble que c'est déjà en vente sur Taobao. On avait vu, je crois qu'on avait regardé ensemble un peu ça déjà, et parce qu'il y a un lien Instagram quelque part, je vous le retrouverai si vous voulez, où on voit une vidéo du mec, attends, putain, je vais le retrouver, ça va me rendre fou sinon. On voit une vidéo du mec
Et la vidéo est... ne fait aucun sens parce qu'il monte, il fait un comparatif. Non, je vais pas le trouver. Est-ce que tu as ton Instagram sur ton pro... J'ai retrouvé le mec sur Discord et il met pas son Instagram, putain. Bon. Il y a une vidéo, je vais essayer de vous la mettre dans la VOD, où on voit il fait des tests sur un PCB, avec ou sans LUB, avec ou sans C-Stab, et il fait des comparatifs. Et bon, au bout d'un moment, il y a un truc qui fait moins de bruit que les autres, mais le test, j'ai pas tout compris. Mais bon, voilà, c'est peut-être le futur des stabs. C'est depuis que les Switch Silence de Cherry sont sortis en 2015 ou 2016, je me dis, quand est-ce qu'ils font ça sur des stabs? Il y a Wook Studio, je sais pas bien le prononcer, ou Wook Studio, qui avait fait un truc juste dans la stem des inserts silicone, si je me trompe pas. Mais ils sont pas devenus hyper populaires ou quoi que ce soit, donc il y a peut-être une bonne raison. Je ne les ai pas testés. Mais là, il y a ça qui arrive. Et c'est un mec qui a vraiment développé ça un peu tout seul, de ses propres fonds et tout. C'est pas une grosse boîte. Donc, j'ai mon œil dessus. Il y a des gens qui avaient des retours assez négatifs, mais là, je vois beaucoup de rush. Donc, ça va peut-être marcher. Allez savoir. Peut-être que dans 6 mois, on a ça chez Delta Kiko. Moi, je suis curieux de le À voir. tester. Par Ouais. contre, Moi aussi. Puis la durabilité. voilà, je pense que ça va devenir comme tes tournevis et que ça va être un petit peu la merde au niveau du ça va coller quoi. Ah oui, bah oui. Alors, faut voir le silicone, c'est surtout ça. Ouais. Ouais, Et après, c'est si ça se décollera pas, si mécaniquement c'est bien, parce que du coup, tu as une forme de un process de double injection. Donc, normalement, il y a des techniques pour faire que ça se détache pas. Après, si mécaniquement c'est bien attaché, mais ouais. À moi, voir. le silicone, c'est ce que j'ai peur, c'est que ça colle, quoi. C'est tout. Avec le temps, Ouais. ça se dégrade Ouais. pas de la même façon que du plastique. Et... Et puis, t'as plein de Ah bon. sortes de silicone. Ouais, à voir. Je sais pas. Ouais. Voilà. Bon, des stabs peut-être prometteurs, j'attends de voir. Et ils existent en tout noir, hein. Je Curieux. vois qu'on demande si c'est du chocolat. Mais... Je Curieux suis de content de savoir tester. que t'es curieux. Ouais. Ouais. Alors ça, c'est un clavier ultra basique. Je voulais juste vous le montrer parce qu'il y a un truc qui m'a fait marrer dedans. Donc c'est le Layer 75. Au début, j'ai pensé au logo Ubuntu quand j'ai vu le truc. Bon, voilà. Là, vous avez tout vu. Il n'y a rien d'autre à montrer, vraiment, c'est ultra basique. Layer 75, l'intérieur, pop, 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 truc chinois, pas cher, qui pourra plaire et suffire à plein de gens. Vous avez toutes les épaisseurs. Moi, ce qui m'a fait marrer, que je n'avais pas encore vu sur un IC ou un GB de clavier, c'est un GB, c'est que le prix, 1299 yuan, donc déjà, ça, c'est pas cher. Hop, pardon. 1299 yuan, ça nous fait en euros hors taxes, ça nous fait du 165 balles, donc c'est pas cher. C'est Mais abusé. plus 100 en électrophorèse. Mais ça, ce qui m'a fait marrer, c'est que si tu, je sais pas si c'est sur Taobao ou quoi, si tu fais des photos et un commentaire positif, il te renvoie, il te refund partiellement 198 yuan sur le truc. C'est un truc que tu vois parfois sur Amazon. Tu reçois une carte dans ton colis, il te dit on vous rembourse 5 euros si vous nous laissez un avis positif. Et le 188, il doit avoir peut-être une symbolique ou j'en sais rien. 24 euros de réduction si tu fais le. Si tu hype le truc. Bon, voilà. Moi, ça m'a fait marrer. Sorti le 13 mars. Taobao, SFT Express Collect. Voilà. C'était juste pour ça que je voulais vous le montrer. Et salut T'as vu le Pagri. prix, quoi. C'est Ouais. abusé, quoi. C'est vraiment abusé. On arrive à des claviers. Et ça rejoint à ce que je te disais au début. Maintenant, c'est la grosse hype. C'est des claviers entre 100 et 200 balles, quoi. Ah bah oui. Bah en fait, on est rentré Parce sur la que... sur le segment des claviers gamers, mais tu sors des custom dans ces C'est à ce ça. niveau-là. Et Et... pourtant, il n'y a que 100 claviers de produits là, c'est ça qui me. 107, il en fait que 100 et il arrive à descendre les prix aussi bas, quoi. C'est la Chine, quoi. Ouais. Allez, gros acteur, on a presque fini, hein, les amis. On a presque fini, il reste 3 gros acteurs pour. Je sais pas si les possesseurs de Space 65 et compagnie sont encore dans le chat.
Mais je suis tombé sur le truc de Gray Studio, qui font un 82%. Ils appellent ça. C'est un 1800 FRL. Alors non, ça c'est cancel, Druze. D'ailleurs, il a été crop sur l'alerte de purée pour une bonne raison. Voilà. Donc, dernier Gray Studio, un FRL 1800, soi-disant inspiré de Blade Runner, c'est ce qui me dérange le plus. Ouais. Faut aimer le paneling. On sait que c'est un Gray Studio. Ouais. Tu le vois, quoi. Mais c'est reconnaissable. Moi, j'ai pas Blade Runner quand je regarde ça. Les LED sur les côtés, je trouve ça intéressant. Plein de couleurs. Ouais. Pourquoi pas? Le layout aussi, il est pas, il peut être exploitable en bureau. Hein. Il y a plein de gens qui n'utilisent pas les touches fonctions. Et ça peut c'est être, le layout cool. Austin. Austin. Ouais, Austin. Il y a Austin, il y a le Blackbird qui a ce layout-là. Il est pas il y en a quelques-uns qui ont ce layout. Le ouais. PJF, le PJF, il a ce layout. Attends, le Blackbird, c'est un duck. Hein. Ouais. Ah ouais. Ouais. Donc il y a quelques claviers qui ont. Ils étaient en, ils existaient en layout. HHKB les Blackbird. Ouais. Ah ouais. Et ouais, moi quand je pense à Blade Runner, je sais pas, c'est pas le, je sais pas vous, mais je l'ai pas trop la ref. Hein. Moi je pensais plus. Quand je pense à Blade Runner, je me rappelle toujours. Il y a un article, il y a un architecte, je sais plus si c'est les années 30. Merde, comment il s'appelait? Attends, je me l'étais noté. Ah oui, c'est Sante. Antonio Santelia, si vous voulez explorer. Là on est au début du 20e siècle. Hein. Et le mec te sortait des designs d'architecture. Complètement dingue que 60 ans plus tard on retrouvait dans Blade Runner ou pour les cinéphiles qu'on trouve dans Metropolis. C'est un peu ce délire là, le grand énorme banger de la science-fiction. Voilà, moi je pense à ça quand je pense à Blade Runner, je pense pas à ça. Là je vois plus du Gundam Light un peu. Ou du paneling là, des trucs de science-fiction, mais j'ai pas ça. Là ça parle Gray Studio dans le chat. Les flèches collées verticalement, j'ai du mal. Ouais. Après, il est pas moche, hein. C'était juste moi la ref. En gros, nerd, hipster, tout ce que tu veux. J'aimais pas trop qu'il le présente comme ça, mais. Mais en soi, le clavier, ouais, pourquoi pas, il est cool. Inconnu, il va pas en terrain inconnu sur le layout, quoi. Donc, il innove ouais. pas. Non, il innove pas, mais après, c'est pas... Ah oui, c'est ça qu'il veut dire, les flèches collées comme ça. C'est vrai qu'il a pas offset les flèches verticalement. Ouais, je comprends. Et bah, du coup, je suis d'accord avec toi, Druze. Maintenant que je l'ai vu, je ne le supporte plus. Non, on s'en rendait pas trop compte, là, en miniature, mais... Merci, Druze, de m'avoir gâché le clé. C'est un peu comme le curse de la pelle à merde. Bah, c'est bien, j'en prendrai pas comme ça. Voilà. Bah, je suis sûr que ça peut plaire à des gens. Merci, Druze. Allez, il nous reste, on a presque fini. C'était quoi ce truc? Ah oui, j'ai vu passer un lien sur Zifron, sur KBD Fans pour le coup. Alors, vendredi, il y en avait 17 en stock et là, on est à 15. Bon, voilà. Alors, c'est un split, une espèce de HHKB split. Il y a un truc qu'on voit pas sur la première image, faut scroller pour voir la petite particularité. C'est que le machin, il a des joysticks. Alors, il y avait un 40% qui est assez connu avec un espèce de joystick en bas, dans la bottom row, mais sur un split comme ça. J'avais pas vu. Et bon. Et tu as vu le layout au niveau Majoris. De la plate? Non. Alors, qu'est-ce qu'elle a la plate? Regarde, il y a des trucs qui sont à la verticale, il y a des switches qui sont en horizontal, je sais pas pourquoi. Oula! Je sais pas pourquoi. Ça t'a pas choqué, ça? Bah non. J'avais pas remarqué. Attends, je suis en train de... Ouais. Regarde, c'est là, bizarre, les encoches. Pas pour que... Ouais, pourquoi ils sont comme ça? Ah ouais? Bon. C'est le premier truc qui m'a sauté à l'œil, donc... Oui, je comprends. Maintenant que tu le dis, on voit plus que ça. Je sais pas pourquoi ils écrivent Sirius partout, alors que le nom du clavier, c'est Acanis Majoris. C'est peut-être une histoire de constellation stellaire.
Il n'y a pas l'inspi. Product introduction. Oh, il y a un truc Google là. PDF. 14 pages. Oula. Ouais, alors on va j'avais peut-être pas, pas se j'avais pas vu ce truc là, merde. Il y a peut-être des explications pour les slots tournés à 90 degrés pour le coup, mais. Positioning plate satellite. You can start for the plate, install the switch and satellite and adjust them. En gros, tu mets les switches dans la plate d'abord et après le PCB. Tu sais, c'est où? C'est là où il y a les JST. Ah. Mais pourquoi sur la plate, quoi? Ça, j'ai pas compris, quoi. Ouais, il y a. Il y a un mystère. Il y a un mystère à régler, là. Mais je ne pas... l'ai pas assez préparé parce que je l'ai trouvé hier aujourd'hui, celui-là. Donc. Lui, je l'ai regardé comme ça vite fait, mais voilà. Je qu'avait des fans, je me dis bon. Ouais, bon. Écoutez, vous irez creuser si ça vous intéresse. Il y a un moment, attends, il y a un moment où ils montent des petits. Tu peux mettre d'autres choses que les sticks noirs. Ils ont fait d'autres sticks apparemment. Je savais pas que ça pouvait se modifier comme ça. C'est mignon. Ah ouais, mais ça va se vendre comme du petit pain. Pour montrer ça à ta fille. Hein. Bon, ça va, j'ai. Faut pas déconner quoi. Ça avec un keyset Splatoon et ouais, avec les cordons en titane, là c'est bon. Allez, c'est parti. voilà, là, on dirait de l'acier. Là. Ok, voilà. Allez, presque terminé. Ouais, bon, on n'aura pas réussi à terminer plus tôt. On termine quand même pour la tradition sur. Alors, j'arriverai jamais à faire aussi bien que le Cookie 80, mais. Alors, on finit sur un 40 et un 50%. Attends, on va faire le 50, parce que je crois que chronologiquement, j'espère que j'ai le bon lien, le 50 est arrivé avant. C'est deux claviers par les mêmes designers. Alors, il y a le Bin 50, le Poubelle 50. Alors, du coup, c'est lequel? Moi, j'aime bien. C'est celui-là. Franchement, Poubelle les deux 50. Claviers, j'aime bien. Il y en a deux. Poubelle 50. Moi, je trouve ça génial déjà. Rien que le nom. Le nom, j'étais mort de rire. Ah, c'est pas le bon celui-là. Ça, c'est le 40. Voilà. Donc bah, là, vous avez chouette. Le... Zen 40, c'est mignon avec les barres d'espace offset comme ça. Et là, voilà. Inutilisable. Le 50. Ouais, celui-là, c'est chouette. Il a. Avec lui, il a carrément souvent, une numéro offset. Ah ouais, alors moi, pour le coup, j'ai l'impression de l'avoir découvert cette semaine. C'est peut-être parce qu'avant, je faisais pas trop gaffe. Jamais. Mais t'as les deux. Et le fait d'avoir appelé un 40% le poubelle 40 ou le poubelle 50. Je rappelle que sur les Interestiacs de Wapuro, il y a une poubelle sur le kit 40%. Je trouve ça génial. Voilà, c'était juste pour regarder du 40% pour terminer dans la joie et la bonne humeur. Ça a l'air pas cher, cette histoire. Je vois des 950, moins de 1000 yuan. On rappelle... 160 euros, c'est ça? Ouais, attends. 160 dollars, ça fait 950, euros, c'était le plus cher. Allez, 120 euros pour taxe. Oh purée. Le plus cher. Je crois qu'il y a du PVD dans l'histoire. On sait qu'on peut pas traduire les images, mais. Et voilà, le dessous. Le dessous, le truc, il y a des histoires de poubelles. Ils mettent le 40% à la poubelle en dessous. C'est trop bien. Ça, c'est chouette. Ne vous inquiétez pas. Les URL dans la VOD YouTube, d'ici demain soir, elle sera en ligne. Vous avez le lien sous le stream. Druze, j'en prends un, Druze. Voilà. Bon, la poubelle, ça m'a fait marrer. Là, s'il y en a qui veulent prendre des échantillons d'anneaux, je connais pas ce Manu. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Druze, plaquette, il y a hontu.cchine, là. Acheter. Y a peut-être un truc. Ouais, l'engraving du white, il est épique, quoi. La poubelle, là. Je trouve, là, pour le coup, on parlait des histoires de culture, mais là, ça, c'est universel, le 40% à la poubelle. Ça dépasse toutes les cultures. Et voilà, on a terminé la liste. Alors, hop. J'ai pas vu. T'as pas vu les... Ah, plaquettes, il devait pas regarder. Oula, j'ai un freeze. Pop, pop, pop. Je suis en train de lancer Steam. Voilà, je te remets les échantillons d'anneaux, plaquettes. Tac. Ah, est-ce que j'ai... Ça est-ce que j'ai... Fou. Ça a pas l'air fou quand même, hein, comme ça. Est-ce... Je sais pas si c'est l'écran ou... Ouais. Ah, c'est une photo de merde en intérieur aussi, ouais. Sa photo au téléphone en intérieur. Alors, on va retourner dans le studio vite fait.
Tiens, je vais même faire ma petite mise à jour sur le tableau. Ça, c'est fait. Marble, c'est fait. Hop. Ça, c'est fait. Et donc là-dessus, on est bon. Et je sais plus si j'ai setup la cette scène-là de tout à l'heure avec toi. Marble audio, Marble on stream. Yes, on est bon. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut me faire un point d'exclamation Marble dans le chat? À chaque stream, on essaie de faire au moins 3 courses. Et à la fin, au bout d'un moment, j'arrête les courses au bout de plusieurs streams. Et la personne qui aura marqué le plus de points remportera... Oh là, j'ai failli mettre la mauvaise cape. Remportera un GMK 49-3 double shot limité à 49 exemplaires. Les points, c'est les 10 premiers marques des points en mode Formule 1. J'ai aucune idée de combien il y a de viewers, mais voilà. En général, quasiment tout le monde marque des points à chaque fois. On se fait 3 courses et puis et voilà. Et je mettrai à jour le tableau qui est dans le chat dès ce soir. Alors, on va enchaîner là-dessus. Alors, tu vas me dire stop. Stop. Ok, alors celle-là, c'est dommage qu'on ne soit pas beaucoup, mais c'est pas grave. C'est une map à 4 chemins. Et 4 chemins en parallèle. Je ne sais plus quel est le bon chemin, quel est le meilleur chemin. Vous pouvez déjà balancer des points d'exclamation play dans le chat. Putain, elle est chouette la map. Allez, vous avez... Allez, on met une minute... Allez, on met... Allez, 60 secondes, c'est très bien. Vous avez largement le temps de rentrer. De toute façon, il y a 10 personnes. Je sais même pas si... Oh, 13 personnes, bien. Vous pouvez avoir des skins si vous faites play 1, play 2, play 3. Il y a des skins pour tout le monde. Et voilà, hop. Et moi, je viens de me rendre compte qu'on n'avait pas de musique. Et ça tombe bien, j'avais trouvé un album dans ma collection. Comment ça s'appelle? Two Steps et... de musique épique. Ouais, c'est parti. Musique spéciale Marble. En 20 secondes, ça démarre. Point d'exclamation play. 14... On est toujours à peu près entre 13 et 15 personnes en participation. Donc, il y a quand même 10 qui vont marquer des points. Est-ce que Alice, elle est là? Alice, elle est là. Super. Elle a marqué des points cette semaine. En tout cas, je lui souhaite. Allez, 3, 2, 1. Je suis bien placé. Hein. Nico Jacques est plus devant, mais là, c'est vraiment... Il y a une couleur qui souvent arrive, il me semble, un peu devant les autres. Le problème, c'est qu'à filmer, c'est la merde, parce que vous voyez, tout le monde va se séparer sur des chemins différents. Ah, oui. Et à la fin, tu arrives en bas du toboggan. Donc là, on ne sait pas vraiment qui est devant. Le classement, en haut à droite, il n'est pas du tout représentatif de qui est vraiment en tête. Je vous montre un peu la map pour la peine. Voir un peu mieux. Toi, tu as toujours un skin différent des autres. Bah moi j'ai pay to skin quoi, j'ai acheté le skin sur le shop. Putain, okay, vu que j'ai trop d'argent sur Steam avec les caisses CS:GO que j'ai flip, j'ai de l'argent à dépenser que sur Steam, donc j'ai acheté des skins que les gens peuvent utiliser sur mon stream, qu'ils aient pas à installer Marble et s'acheter des skins. J'en rajouterai peut-être à l'occasion. Tiens là je suis, oh putain, alors si je gagne. Il y a peut-être des gens qui vont rattraper au dernier moment, parce que vous voyez, là, c'est très lent l'arrivée. Ça va rattraper, c'est fait pour. Ah, Valve qui nous quitte. Et voilà, Blivion Nico qui passe devant. Faut passer la chute d'eau. Hein. C'est en bas de la chute d'eau, il y a une ligne. La ligne de finish, c'est là que ça se passe. Il y a Yoshi qui va gagner. Ah, Invis. Oh putain, il est passé entre tous les trucs. GG Invis. Ah oui, du coup, tu dois pas voir mon retour... Marble, je t'avais partagé que le Chrome. Voilà. Donc, GG Invis, Plaquette, Blivion, Druze, Yoshi. Hop, les résultats, je fais. J'oublie pas de prendre un screenshot. Hop, voilà. On va s'en faire 3 ce soir. Save, ça c'est bon. On va lancer le prochain. GG le top 10. Le prochain, allez-y, c'est parti. Point d'exclamation, play. Éventuellement, vous prenez une skin en mettant 1, 2, 3 derrière. Et on lance ça dans une minute. Et on est sur quoi comme map là? Voyons voir un peu. Ah, c'est l'aéroport. Alors celle-là, c'est encore toute une histoire. Il y a un décollage, des embouteillages sur l'aéroport, ça se finit dans les nuages.
Un peu comme la dernière photo de Bagri. Très jolie photo du Samara. Bagri, il est parti se coucher, mais c'est pas grave. Qu'on trouve sur la... en haut du menu des channels sur le serveur Discord MKFR. Peut-être falloir que je mette le lien un jour, même si tout le monde vient de là. Allez, 20 secondes. Ouais, j'ai l'impression que tout le monde est là. Hein. Que j'attends. Petite revue des skins. Druz, il a pris le petit chou à la crème. Qu'est-ce qu'on a, hein? Du chou à la crème. Beaucoup de chou à la crème. Ah, Black Hat, il a pris le bonbon, la sucette. De même que Rez et Nico. Oblivion, lui, pas le temps. Il prend la skin de base. Allez. Qui sortira premier du Pachinko? Vous allez voir, celle-là, elle est particulière. Valve qui part bien. Hein, Valve qui aime bien gagner au Marble. Il a un certain talent. Hein. Il a déjà gagné deux giveaways quand même. Alors, Lucas quand même. Lucas et Zero. Zero qui me semble est premier du classement. Zero qui est premier du classement, qui part bien. Alice aussi. Alice qui veut marquer des points, qui a la niaque. Je suis content de te revoir parmi nous. Alors là, on est dans les nuages. À chaque côté. Il y a deux pelotons qui se sont séparés. Lucas qui passe bien. Et là, moi, je passe devant, pas mal. L'autre côté, pff, on s'en fout un peu. Hein. Non, je déconne. Ouais, j'ai l'impression que le peloton de... Non, si, c'est à peu près pareil. Hein. Valve qui ferme la marche à gauche. Liebig qui ferme bien la marche à droite. Oula, Liebig. Ouh, il va falloir se reprendre. Et là, on arrive sur la piste de décollage. Et c'est vraiment une piste de décollage. Hein. Hop. Allez, on va se mettre dans ce sens-là. On va voir un peu les gens... Et c'est Alice qui est en tête à la sortie des nuages. Ah oui, elle a Lucas qui renverse des camions et qui double devant. Lucas, il a pas le temps. Hein. Oh putain. Et là, attention. Oh, Druz. Druz qui s'envole. Tel un phénix. Oh purée. Oh putain, le Druz. Suivi par Lucas, Yoshi, Alice, moi-même, Zero. Voilà, on retourne dans les nuages. Et là, on arrive vers la fin. Oh putain. Oh, oh, oh. Ah, désolé, Zero. Je crois qu'il y en a qui vont être contents de voir le premier. Ouais, il y a des gens qui ont raté l'atterrissage. Hein. Liebig qui ferme la marche, mais fermement. Et c'est moi qui gagne. Oh, voyons. Rigged, hein. Mettez des rigged dans le chat, là, si vous pensez que c'est rigged. Zero qui tombe de la map et moi qui finis premier. Voilà. Oh, c'est dommage. Alice, on t'a perdu, Alice. Oh, merde. Ouais, elle a pas été assez légère. Toutes mes condoléances. Voilà. Alors... Liebig, désolé, tu marqueras pas de points, mais au moins tu finis. Eh oui, putain, c'est beau. J'en gagne enfin une sur mon stream. Je peux enfin participer au club du rigged. Je vais marquer des points, je vais peut-être remonter dans le classement. Sachant que si je gagne, moi j'ai dit, je le donne à l'avant-dernier, pour bien la mettre au dernier, tu vois. Allez, dernière du soir, et après on fera un petit coup de Photoshop en vite fait. On l'a déjà faite celle-là ? Ouais, c'est pas grave, elle est cool. Allez, dernière. On va y voir un peu qui rentre. 50 secondes, point exclamation, play dans le chat. Réveillez-vous si vous êtes endormi devant le stream, je sais, ça peut arriver. Quelqu'un me l'a avoué cette semaine. Quelqu'un s'est endormi devant le stream la semaine dernière. En même temps, il est tard. Hein. On va peut-être réussir à finir 10 minutes plus tôt que la semaine dernière. Si on finit à minuit moins 10, c'est minuit moins 10, je crois, le bench. Alors, Alice qui est en pleine lune, Nico en petit chou, Lambor et Lucas qui ont sorti les sucettes, ainsi que... Oh là, il y a beaucoup de sucettes et moins de choux. Druz, il est resté en petit chou, une vise aussi. Vas-y, on commence à avoir les petites habitudes, là. Et tu participes pas, purée? Oh non. Même pas pour le sport? J'ai la seule chance de gagner. Oh. Ce que c'est marrant, c'est que les billes, on la voit pas trop à cause de l'échelle, mais il y a une collision. Et tu peux avoir des gens qui flinguent d'autres gens comme ça. Un jour, on fera du Battle Royale. Il y a un Battle Royale dans Marble où tu peux vraiment te taper dessus avec les billes. Mais à 15 personnes, c'est pas dingue. Avec des rounds de 3 minutes, les gens meurent pas assez souvent. Et là, c'est Plaquette, Rez et Druz qui partent en tête. Lucas, Blivion, Alice derrière. Dans l'escarcelle. Et là, c'est là où tout se resserre, dans les balançoires.
Ça sera 100. Et c'est une vis du coup qui est passée devant, qui a doublé tout le monde passage Valensoire. Oui, aïe, 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 aïe. Il y a un truc en dessous là, il y a une espèce d'entonnoir. Allez, tout le monde dans les loopings. Ça tourne, ça tourne, ça tourne. Alice, pas terrible celle-là. Hein. Faut se reprendre. Hein. C'est Rez qui part en tête. Mais là, là, ça peut vite se doubler. Faut un mec, un peu de chance pour passer premier. Bah voilà. Dans l'entonnoir et ça peut tout changer. Sachant que derrière, on a un tourniquet qui peut rendre les gens fous. Au revoir, Zero. Oh, bah deux maps de suite. Bah écoute, bonne nuit, Zero. Oh, bye. C'était dur. Hein. Je suis juste content que... Enfin, peut-être que le classement va changer un petit peu, mais en même temps, ça m'étonnerait parce que t'es quand même bien, bien loin devant. Ouais, bien. Alors là, à la fin, oui, il y a des petits picots. Il me semble qu'il y en a certains qui montent et qui descendent. Ah non, pas sur cette map. Ah, il n'y a pas les picots qui éjectent. Donc Lucus est quand même vachement bien parti. Hein. Il va peut-être t'as enfin en gagner une. Slalom. Oh là là, oh, le mec, il a son flocon d'argent là, sur la piste bleue. Donc Lucus, GG Lucus, t'as gagné la troisième et la dernière du soir. Bravo. Lucus, Yoshi, Invis, Lambor, anciennement Urux Gaming, Plaquette, Liebig, Nico. Et on attend un peu les retardataires. Valve, toujours présent dans le top 10. Oh bah Alice et Rez, je suis désolé. Oh Rez, attends. Qu'est-ce qui est arrivé à Rez? Attends, on va aller voir parce que... Il est coincé. Qu'est-ce qui est arrivé à Rez? Ça va? T'étais à la buvette. T'étais encore à la buvette en bas du taf. Et tu fais du tourniquet. Allez, salut Rez. Bon, bah navré Rez. Allez. Tu nous donneras des nouvelles pour la semaine prochaine. Hein. Ah, du coup, ça... Alice, elle est dans le top... Ah oui, t'es dixième. Et moi, je suis onzième. Pas de points. Ah oui, il y en a une où je fais des points. Une où je fais premier et l'autre où je fais rien du tout. Alors, hop. On sauvegarde. Ça, c'est bon. Et on va retourner dans le studio. On va faire la dernière étape. Parce que je retrouve mes fichiers. Nous, c'est la couverture. La couverture qu'on va ouvrir. Je ferme des trucs. C'est carrément la couverture. Quoi. Ouais, c'est le recto du packaging qu'on va observer ce soir. Là, je vous dis... Vous allez être récompensé d'être resté aussi tard. Parce que celui-là, c'est un des deux meilleurs easter eggs du packaging. Il y en a un, l'autre, je ne sais pas si vous le verrez un jour. Parce qu'il est particulier. Mais franchement, ouais. Là, vous avez du gros, gros level. Alors, hop. Tiens, si je passe en studio mode, ça peut peut-être bloquer le switch. Je vais en profiter pour aller barrer mon truc au tableau. Et BSN, il est lancé. Il est en train de charger le fichier, je pense. Voilà, on est dessus. Ok, nickel. Donc, historique BSN. Bisous, Lucus. Merci d'être passé. Voilà. Donc, gros level. Gros level. Et là, vous voyez déjà, Putain, il est déjà ouvert le cadre. Attends, faut que je me cache le chat. Voilà. Hop, attends, je vais le mettre là. Donc là, je vais vous le mettre en taille 100%. Vous voyez déjà un peu. C'est basé sur une ancienne emote sur le chat MKFR que j'avais faite à partir d'une photo de pur en meetup et qui n'y figure plus. Mais voilà, c'était la base. Et le dossier petit nouveau et l'emote, c'était pur et content. Et alors, elle prend de la place, elle influence le packaging. C'est ce que tu m'avais dit que j'ai jamais vu. Enfin, je vois pas. Je vais laisser la musique à suspense parce que ça me fait marrer là-dessus. Les gens cherchent. Non, plaquette, je sais pas du tout où je suis. J'ai non, cherché. Je vais jamais pas voulu être leak. En fait, tu l'as vu sans la voir. Alors, tiens, ça m'énerve de pas voir le retour parce que j'ai hâte de voir ta réaction. Mais là, on peut déjà deviner où tu es. Hein, c'est pour ceux qui connaissent Photoshop. Mais en gros, je vais faire clignoter, activer et désactiver le calque. Et vous allez voir qu'il y a un petit changement sur l'image. Moi, je vous invite à regarder les coins en bas à gauche et à droite. On voit que la luminosité, elle change un peu. Je ne sais pas si sur le stream, vous le voyez. Est-ce que vous voyez qu'en bas à gauche et en bas à droite, il y a une petite différence de luminosité, un peu comme une vignette. Vous voyez un peu, voilà, c'est normal. En même temps, regardez, 2%. Mais ça a une influence sur l'encre. Sur la dynamique de l'image, de sa colorimétrie et tout.
Mais si vous montez un petit peu le pourcentage, en fait, pour voir un peu ça... On est sur les coins, Kistan. Donc, du coup, ils voient pas. Ah, merde. Ah, bah oui. Ah, bah oui, attends. Bah, attends, voilà. Je vous en centre un, pour la peine, vous verrez là. Vous voyez un petit peu la différence, on le voit bien ici. Vous devez mieux le voir maintenant. Ouais, d'accord, ça change un peu, et je vous dis, même sans la compression, ça se vend très peu. Mais l'idée, c'était vraiment de le cacher le plus possible dans la subtilité. Et moi, ça me fait d'autant plus marrer de savoir que c'est là et que les gens le voient sans le voir. Parce que même moi, sachant où c'est, je peux pas le voir. Parce que c'est, on voit l'opacité, elle est à 2%. Et si on augmente un peu l'opacité, je vais monter à 5%. Je vais le faire tout doucement parce que Photoshop rame un peu. On avait 2% de ça dans le packaging de BSN. Oh putain, c'est carrément tout le truc, quoi. Oh putain. C'est carrément toute la pochette. Et voilà. Et voilà, purée, sur le packaging. Oh purée. Je l'aurais jamais vu. Oh purée. Personne n'aurait pu le voir. Même moi, je l'aurais pas vu. C'est voilà. Incroyable. Vous êtes des fous. Franchement, vous êtes des fous dans le packaging. Le GMK, ils ont imprimé purée sur un packaging. Et si on le fait en. Ouais, tu m'avais dit que j'étais dans toute la couverture, mais sans y être. Okay. Voilà. Il n'y a personne qui est capable de te voir. Maintenant que vous le savez, vous sortez votre packaging, vous ne voyez pas purée. Mais pourtant, il y a des teintes d'encre qui ont été influencées par purée. C'était ça. Le délire. Et ouais, franchement, c'est le plus gros. Il n'y a pas la même chose de l'autre côté. Il y a une autre dinguerie au recto, mais je ne sais pas si je pourrais vous la montrer un jour. Il me faut l'accord de la personne. C'est ça le plus important. Voilà. Donc, purée, qui est sur un packaging ISO-FR d'un clavier, d'un keyset qui devait avoir de l'ISO-BE, mais qui n'en a pas eu. Ouais. Mais ça me faisait trop plaisir de t'intégrer au packaging. Bah, écoute, franchement... Chapeau. Ça te va ? Pour l'idée, d'avoir intégré plein de monde sur le packaging. Et... Bah, je sais pas. Ouais, je suis content que ça te laisse comme ça. Je suis content de ta réaction. Bon, j'avais un peu peur. Ah ouais ? À ce point-là ? Ouais. Parce que bah, c'est cool. T'es dans l'éternité, là. C'est... Ah ouais, là, c'est... T'es solidifié. C'est... Tu peux dire à ta femme, à ta fille... Ça y est, j'ai réussi ma vie. Moi, je pensais que j'étais dans les nuages, toi, au co-cast. Ouais. Alors, dans les nuages, c'est l'invité de la semaine prochaine. Oh merde. Voilà. Voilà, ouais. Écoutez, ce sera le tease. L'invité de la semaine prochaine. Vous remarquerez que ce soir, on n'a presque pas parlé d'électrocapacitif ou de topré. Et la semaine prochaine, on parlera un peu plus de ça et sans rapport avec l'invité. Et non, c'est pas Pixel Ninja. Mais c'est quelqu'un qui est sur le packaging. Voilà, donc semaine prochaine le mardi, parce que lundi de Pâques, il me semble, un truc comme ça. Attends, je dis pas une bêtise. Non, c'est dans 2 semaines. Oh, attendez, je vous confirmerai. Pâques, c'est la semaine prochaine ou la semaine d'après? Je sais plus, mais en gros, c'est le lendemain du lundi de Pâques. J'ai booké quelqu'un et Cécile n'est pas sur le packaging. Invis, voilà, vous verrez ça. Bon, allez, hop, on retourne dans le studio. Hop, 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 je retrouve mon OBS. Je vais y arriver. On va laisser la musique épique sur la fin parce que j'ai la flemme de switch. Mais ouais, je vous clarifierai ça. Je vous remettrai l'annonce sur Discord. Je me suis peut-être mélangé les semaines, mais je sais que le lendemain de Pâques, il y a un invité de bouquet. Purée, je te remercie énormément et infiniment de nous avoir gracié de ta présence. Bah écoute, c'est moi. J'espère que... passé un aussi bon moment que moi à regarder des claviers et à parler un peu de ton histoire dans le hobby. Ouais. Je crois que j'étais pas le seul, je crois que les gens dans le chat étaient aussi contents de te voir un peu dans le studio. Et merci les fidèles, hein, parce que les chiffres en gros, c'est à peu près les mêmes chaque semaine. Je déconne pas, il y a moins de gens qui viennent, mais la moyenne, au dixième près, c'est la même d'une semaine à l'autre. Il y a un truc genre 15,9... Ça m'a fait marrer. Donc, merci pour votre fidélité. Je sais que c'est pas que pour les marbles, évidemment. Pour certains, peut-être. Coucou Zero. Mais en tout cas, ça fait plaisir de vous retrouver comme ça. On va essayer de se donner un rythme. Je promets rien, mais on va essayer. Et voilà. Vas-y, on finit sur les applaudissements, quand même.
Le mec qui s'auto-applaudit, c'est... Toi, tu l'as pas dans les oreilles, purée, mais c'est... Voilà. C'est notre culture. Meilleure utilisation de l'alerte. voilà. Zero, il est jaloux parce qu'il a pas d'applaudissements sur son stream. Et voilà. Merci à tous. Est-ce qu'il y a quelqu'un à raid? Est-ce qu'il y a quelqu'un à raid? Twitch. J'ai quelqu'un que je suis qui fait du clavier. Merci Druze. Oh putain, il y a Lightning, vas-y. La première semaine, non, la deuxième semaine, je voulais le raid et je l'ai raté de 5 minutes. Donc, il fait du clavier, il fait pas de la cuisine comme la semaine dernière où je vous envoyais chez une streameuse de clavier qui faisait je sais pas quoi. Non, Lightning, il est en train de faire un LZ. Oh putain. Il est en train de faire un LZ CLS, je sais pas quoi. Hop, alors, Allez, c'est la fin, on commence à fatiguer un peu. Donc on va passer sur l'écran de fin. Je lis un peu le chat en même temps, je vérifie que j'ai rien raté. Ouais, ok, bah merci les gens. Allez vous coucher, ça m'a fait super plaisir de vous voir. Purée, tu reviens quand tu veux. Peut-être que tu reviendras un jour, peut-être que je te ferai le bon logo cette fois-ci. Ce sera, en tout cas, ce sera un plaisir de te revoir. Ça sera avec plaisir aussi. Ah ouais, super. Et là-dessus... On va passer sur l'écran de fin. Qu'est-ce que... Hop. On peut passer up sur ton channel, Rez? Non. Il faut que je passe affiliate ou je sais pas quoi. J'ai pas fait les heures ou assez de stream. On verra une autre fois. C'est pas encore dispo. Et puis, c'est pas l'urgence, c'est pas la priorité. On verra. Là, je me fais plaisir à échanger avec vous plutôt que de faire des sioux. Mais ça viendra. Voilà. Donc, encore une fois... Merci à tous d'être passés. Et sur ces bonnes paroles, je vous envoie chez quelqu'un qui, pour une fois, fait du clavier. Un autre J aussi, Diego. Lightning. Salut! Ça va être...